On est parti. Bonsoir. Ça va? Le jeu... Déjà, j'étais persuadé qu'il sortait il y a une heure, moi. Donc, je me suis raté. Et du coup, il est sorti il y a un quart d'heure, 20 minutes, avec un prix tout à fait honnête. Tout à fait honnête. Il est... En temps normal, il sera à 30 euros. Et là, avec la réduction de sortie, il est à 27 euros. Quelque chose comme ça. Ou 26 euros. Quelque chose dans ce goût-là. Donc, voilà. Je pense très sincèrement que... ils ont jamais annoncé le prix avant. Je pense qu'ils sont alignés avec Palworld pour avoir un petit peu de concurrence, mais bon. Voilà, Palworld, c'est vraiment une autre affaire. Là, Enshrouded, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que si vous êtes déjà là à regarder Enshrouded, c'est que vous savez de quoi on parle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Enshrouded, c'est... on va dire que c'est du Valheim, sauf que le monde n'est pas généré... aléatoirement, procéduralement, ça, c'est pas la même chose, mais voilà, le monde n'est pas généré procéduralement, il est créé à la main, et ça apparemment c'est, je pense que c'est ce qui va faire une des forces d'Enshrouded. Vous savez quoi, on va y aller, j'en sais pas plus, j'ai testé la démo, j'ai fait ok, ok c'est bon, on a le successeur de Valheim. On a sincèrement le successeur de Valheim. C'est absolument pas comparable à Palworld. Cherchez pas à faire des comparaisons parce qu'il y a du craft. Bah ouais, mais il y a du craft dans plein de jeux. On y va. Le jeu me dit déjà que le pilote de mon GPU est obsolète. J'ai envie de lui dire que je l'emmerde. Je ferai peut-être la match plus tard. Alors que le jeu est sorti il y a 3 minutes 30. Je veux dire, ma carte graphique est à jour. Tu peux pas me dire que mon GPU est obsolète. Je t'emmerde. Bref. On y va. On y va, messieurs, dames. Je vais jouer à la manette. On va voir ce qu'il vaut à la manette. Et si vraiment je galère, j'intervertirai au clavier parce que j'ai même pas relancé le jeu. J'ai testé ça ultra vite fait. Je vais juste faire un saut rapidement dans les paramètres. Mode d'affichage, plein écran, résolution visible activée. Je me mets en DLA ou en DLSS? On va se mettre en DLA pour voir. On va voir ce que ça donne. Si vraiment ça foire un peu, je me mettrai en DLSS. J'ai tout foutu en qualité, que sa mère, je veux dire. Max qualité, vas-y, roule. On s'en fout. DHL, non, c'est pas celui-là, Adinka. C'est pas celui-là. Adinka, t'as fini ton kebab? Connasse. Du coup, oui, j'ai. Si vous êtes curieux, regardez, scrollez en bas la config de mon ordi. Je suis au-delà de tout. Donc, hein? On va partir du principe que les devs ont fait leur taf, qu'ils ont optimisé leur game, et qu'avec ma config qui est au-delà de recommandé, je peux me permettre de faire ça. Mais non, Adinka, c'est pas ça du tout. Non plus, Annie. Tu descends, t'as juste à scroll un petit peu. Tu vois ma... Annika, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un cherche une modératrice qui va rapidement perdre son emploi, n'hésitez pas à recruter Annika. Oh, allez. Jouer. Ah, faut que je fasse mon Benham. J'aime bien faire mon Benham. Alors, forcément, je vais faire ma gueule. Hein. Je préfère vous prévenir tout le monde. Est-ce qu'il me ressemble un peu, celui-là? Ouais, il a un gros tarin. Parce que j'ai un très très gros tarin. Ouais. Sélection. Ok, cheveux. Les cheveux sont bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont un petit peu en arrière ou pas? Ça, c'est impeccable. On va choisir ça. On va les mettre dark comme ça. Les petits bucs. Pas un petit bouc. Qui par contre quoi? Le nez ou mon corps? Bonasse.
Attends. Non, celui-là, il est moche. Celui-là, il est un peu pointu. Et qu'on va prendre celui-là. Il fait une petite pointe comme ça. Même si le mien ne fait pas vraiment une petite pointe. Voilà, on va le mettre dark aussi. Ensuite, oh, les voix, les voix. Alors, échantillon. Celui-là, il a une petite voix de filou. Allez, celui-là, personnage 1, créé. Oui, il faut que je lui donne un nom. La violence, oui, c'est ça. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de paroles. Monsieur. Attends, je vais faire avec la souris, ça. Créé. On est parti ou pas? Let's go. Jouer solo pour l'instant. On va faire une petite partie solo. Nouvelle partie créée. Mon monde modifié. Ou du cool. Terminé. Ok. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. Un anneau. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. Tu vas pas savoir après. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. La base. Elixir and blood. A drop for a drop. C'est à base de jus, hein, cette affaire, j'ai l'impression. Well, tout le monde luttait pour en avoir dans la bouche. An unforeseen curse crept into Embervale. The shroud. A ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, c'est moi le Flameborn? Je suis l'élu ou pas? Come. Awake. Awake. B, sauter. Pendant la cinématique, tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai bien cuit là. Sort du micro-ondes. Alors, reposé, inactif, chaleur confortable. Ok. C'est grand. C'est vide. On va se laisser guider par... Attends, il y a quelqu'un... Oh non, il y en a d'autres qui sont sortis, les gars. Tu es le pote rigolo, mais un peu con. Ah. Tu es le sidekick, c'est ça que t'es en train de dire? Et non, je suis l'élu. On peut faire du RP walk. Best game ever. Crypte des cendres. Nouvel emplacement cartographié, un repère ajouté. Communie avec la flamme. Vous avez dormi trop longtemps sans de flamme. Le royaume de Val-de-Braise est tombé, englouti par la brume. Aïe. Oh, j'ai fait la grasse mat et maintenant tout le monde est pété. Maintenant la flamme éternelle vous appelle. Aventurez-vous dans le monde en ruine et construisez un hôtel de flamme pour créer un abri contre les ténèbres. Eh, pas de soucis. Bon, je peux sortir là. Donc là, on va voir
S'il va y avoir de la petite perte de framerate ou pas. Ça a l'air de passer, c'est pas fluide, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Pourtant ça me dit bien que je suis à 60 fps, mais c'est pas... Attends. On va tenter le DLSS pour voir. Ouais, c'est carrément mieux. Carrément mieux en DLSS. Un vaste monde vous attend, rempli de secrets et de dangers. Appuyez sur E et naviguez sur la carte pour vous poursuivre vos découvertes. Naviguez sur la carte. Non, tu m'as dit de naviguer sur la carte. Pas forcément. Pas forcément. Regarde le minimum recommandé. Ça peut passer. C'est à voir. Ok, pleine pour la première base. Après, peut-être que maintenant que le jeu est sorti, avec un peu de chance, ils ressortiront la démo. Je sais pas. Donc tu pourras peut-être pleine pour la première base. Tu pourras peut-être le test comme ça, je veux dire. Avant de l'acheter. Quête. Réclamer un emplacement pour votre base. D'accord, j'y vais. C'est du loot ça, c'est quoi? Lire. Page de la nouvelle histoire. La lumière pure engloutit le savoir de la race ancienne. La protège dans son noyau enflammé. Une sagesse qui dépasse de loin mon imagination. Je pourrais fixer le feu pendant des heures à la recherche de réponses, d'un murmure. Mais je n'entends rien. Bien qu'elle possède une voix, elle ne parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme. Ah, c'est dommage, hein? Car je pense que nous pourrions avoir des conversations très instructives. Signé Balthazar. C'est toi, Balthazar? Je pense qu'il a attendu qu'on lui parle longtemps. Donc là, on est d'accord, je peux pas descendre par là. Oh, où est-ce que je peux descendre? Est-ce que j'ai une mini-map? Bon, on va suivre le chemin, écoute. Si, t'es en retard, Freedom. Freedom, je suis en slip dans la nature, là. Et t'es pas là. Moi, je trouve ça chelou, quand même. Ah, un coffre. Ah, du loot. Ouvrir. J'ai gagné une torche et des pansements. D'autres pansements. Ok, il y a du loot, ça, c'est bien. Ouais. Ouais, avec ma petite torche, ça, je suis pas mal. Y, maintenir, jeter, X, attaquer. Avec la torche. Ok, je fais comme ça pour changer les trucs. Et RB plus, c'est quoi RB plus R. Ok, j'ai une roue. Ok, en cas de panique, j'ai la roue. Ça marche. Par contre, je voudrais ça tout de suite, merci. Attends, il y a une autre torche là, non? C'est une autre torche là, je ramasse. Va Fumax, mon grand. Ah, il y a des trucs. Oh, ça a fait de la lumière tout seul, c'est bien. Ah, c'est omniscient. Encore une fois. Pas encore une fois, je l'ai pas dit encore, mais. Nouveau jeu, hein. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, pas assez fort, etc. Je pense que ça va être un jeu relativement calme. Mais n'hésitez pas à me dire si le son est bon, si vous, l'image vous convient. En tout cas, mon ordinateur galère pas plus que ça, je suis ravi. Là, il y a très clairement un passage secret. Alors, attaquez. Allez! Du loot secret, je prendrai. Encore une torche. Et encore des pansements. J'ai 4 torches, ça devrait bien se passer, non?
J'essaie d'entendre s'il y a des bruits. Ah. La flamme vous permet de résister à la brume, mais si vous vous attardez, vous périrez. Fuyez la brume pour remplir votre temps maximum dans la brume. Et beaucoup de fois le mot brume dans une seule phrase, hein, j'ai envie de dire. Ok, donc les torches, c'est pas juste... C'est pas juste pour faire de la lumière. Là, je suppose que ça va m'emmener dans la brume. Attends. Y'a pas un petit coffre là derrière? Non. Et là. Ok, je suis embrumé. Je peux rester 5 minutes dans la brume. Appuie sur R pour verrouiller un ennemi. Appuie sur B pour éviter le danger. Ok, roulade. C'est quoi? C'est mon stamina? Ok. Et si je rappuie sur R, ça... J'aurais peut-être pas dû taper ça en vrai. Je peux aller là-dedans? C'est quoi ça? Salade! Eh, ça dégage! Fouillé, oui. Une rune, spore de brume et du tissu déchiré, je prends. En tout, en vrai. Attends, mais ils sont beaucoup, là. 3 minutes 54. Oh, c'est lui que je voudrais attaquer. Tu dégages. Tu dégages aussi. Loot. Rune. Ça, c'est du matériel, ça aussi. Ok. Ok, let's go. Bon, ma torche est déjà moitié ruinée. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Que j'arrive à sortir de la brume. Là, je suis hors de la brume. Ok, c'est vraiment bien précis. Ça, c'est bien. J'aime quand les yeux sont précis. C'est toujours plaisir, en vrai. Je peux péter les caisses ou pas? Est-ce que je peux les péter à la main, les caisses? Ah là, ramassé. Qu'est-ce que j'ai eu? Une grenade. Pas mal. J'ai des coups de ninja. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai récupéré un bouclier. Là-dedans, il n'y avait rien. Ok, donc les caisses. Il peut y avoir des trucs dans les caisses aussi. Bon, à coup de poing, c'est moins précis. Mais au moins, je ruine pas. J'ai ramassé des brindilles et des bûches. Attends, j'ai récupéré un... Non, je ne l'ai pas récupéré. Mais est-ce que je peux le construire ? Bouclier. Non, il faut des bûches et de la ficelle. Ah, mais j'ai pas de ficelle. Quelqu'un a de la ficelle. Ah, on sort. Si vous tombez, vous vous releverez à votre dernière balise de retour. Ok. Ok, c'est où qu'il faut que j'aille? À 113 mètres. Pas fluide. Hein. Je pense que c'est parce que... Quoi ça? Des champis. Ah, j'ai ramassé... Ah non, process appris. J'y ramasse tout. On sait très bien comment ça se passe. Ok, c'est quand je récupère un nouveau truc... Que... ça me file les... Je vais arriver à parler en fait. Je peux peut-être... voilà, je vais me balader avec mon champi dans la main. C'est quand je récupère un nouveau truc que ça me donne un plan. J'ai pas à aller chercher des plans quelque part. C'est pas 100% fluide. Hein. Il va falloir peut-être que je réduise 2-3 trucs. Reach level 2. Ah bah ça me fait une belle jambe. J'ai gagné un haut festime. Oh, ça m'a spoilé! Oh, level 2! Attendez. Point de compétence. Ok. Alors. Ça doit être là-bas. Oh, ok. LTRT zoom. Ah là là, il y a des classes! Tank.
Mage de combat, guérisseur, assassin, survivant. L'attaque furtive inflige des dégâts massifs. Donc, je voudrais juste un genre un guerrier. La pioche inflige des dégâts, non. Je commence par où en fait? Là? Farceur. Je peux être un farceur en vrai. C'est quoi un farceur? Va-t'en, un coup de poing magique qui pousse. Assassin, garde forestier. Ah, ça peut être pas mal ça, je pense que c'est les arcs à flèches. Les arcs à flèches, j'aime bien en vrai. Du coup, faut... Combien j'ai de points? De toute façon, j'ai deux. Bûcheron. Bien reposé. Sauveur. Vous savez quoi, ça m'a rien dit. On va garder les points qui m'ont été donnés là, parce que je pense que... Il y a une épée là, tu veux pas la récupérer? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attendez. Je suis désolé, hein, mais bon, ça me... mon grand, moi ça me stresse un peu. C'est pas ultra fluide. Ça le sera peut-être. Ça le sera peut-être quand j'aurai augmenté mon... Comme j'aurai mis à jour mon GPU, parce qu'apparemment la mise à jour est exprès pour lui, pour le game. Ton ordi te manque, Annika? Bah, rentre à la maison, qu'est-ce que... On va tout mettre en équilibre et on va voir. Non, pas la lumière, par contre. Voilà, ça mue. J'ai quand même une 4070 Ti dans l'oignon là. Avec un Core i7 12, le game fait... Non, 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 je vais... Calme-toi, Fred. Calme-toi. Tu vois bien que c'est un nouveau jeu, je suis pas encore... Je sais pas trop encore. Je suis encore vierge de jeu, Freedom. Sois gentil avec moi. Tu sais pas comment fonctionne Twitch, gros nulos. Dormir. Enshrouded Freedom. Protégez la chambre jusqu'à votre dernier souffle. C'est ce qu'a dit l'ancien avant d'entrer avec une poignée de nos meilleurs guerriers. C'était la première fois que je voyais un de ses semblables, et je pense que ce sera la dernière. Son visage est gravé dans mon esprit. Ma vie et celle des soldats qui me restent sont voués à ce devoir sacré. Captain Arkwright. Dis-moi tout, comment ça se fait que je te vois en temps réel? C'est la magie. C'est la magie. Il y a une petite bougie là, je peux pas récupérer la petite bougie. C'est du loup ça. Ok, j'ai récupéré de l'eau, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un truc qui s'est allumé là, non? Là, il y a un vieux squelette. Ça va mon pote squelette? Mon pote squelette. Je suis sûr qu'il y a du loot partout et je le rate. Ça, c'est un ancien village, ça. Regardez ça, c'était la taverne, je suis sûr. Ouais, ça, c'était la taverne, les petits potes. Interagissez avec le feu de camp pour faire cuire des aliments. S'asseoir près d'eux avec un pour reposer dans la nature. Un instant, voulez-vous, je me repose dans la nature. On va récupérer les champignons, on récupère la bouffe, je récupère tout. Je vais avoir des problèmes d'emplacement à un moment, je pense, mais en vrai, c'est pas grave, t'as vu. Lire. Enfin une pause dans ce travail fastidieux. Mes os sont sans doloris, mais la chaleur d'un feu, un petit abri et un peu de sommeil devraient me permettre de bien me reposer. La nourriture se fait rare. J'ai entendu dire qu'ils préparaient une expédition. Heureusement, j'ai caché quelques rations sous mon lit. Elles feront un bon repas une fois cuites sur du feu. Tu les as planqués sous ton plumard? Je les ai récupérés ou pas? Ouais, je pense. Là, ça devait être là. Dans la boîte. Attends, parce que je peux péter les boîtes. Je casse tout. Je sais pas viser en vrai. Qu'est-ce que... Un passage secret? Il y a rien dedans.
pas du tout un passage secret en fait, c'est moi qui m'emmerde. Ouais, c'est ça. Là, je prends. Embrumé. Ah, ok, on va sortir de la brume. Attendez, ça me disait d'aller là-bas. On va aller là-bas parce que là, je m'éloigne carrément. Je suis encore en slip, je suis déjà en train de papillonner dans la nature. Oh, un puits. L'eau est une grande source de vitalité. Buvez-en pour améliorer votre endurance et la régénérer plus rapidement. Vas-y, bois de l'eau. J'ai pas de pantalon, Freedom. J'ai rien là, j'ai une torche et il y a un truc qui bouge là. Viens ici. Et j'ai des petites... des fois j'ai des petites lucioles qui sortent et qui allument des trucs. En vrai c'est chelou. Attends. Je sais pas si je pète tout ça là. Oh non, c'est pété. Je récupère quoi? Je suis déchiré de la ferraille. Déchiré et de la ficelle. Ah bah je vais peut-être pouvoir me faire un futal en vrai. C'est agaçant qu'il avance quand tu tapes. Je commence à critiquer, je risque de critiquer, on va pas se le cacher. Ok, tout ça je prends. Ok, ça me dit d'aller là, je pense. Je sais, Onesia, mais j'y vais là, je vais le construire. Mais je ramasse des petites baies violettes avant. Et de la petite, des petites brindilles. Enfin, de la petite fibre. Cucu, Oné. Je vais construire un pantalon, oui, tout à fait. Construisez un hôtel de flammes, lieu atteint, journal. Quête. Ah, il faut que je construise un hôtel de flammes. Où est-ce que c'est? Hôtel de flammes, il me faut 5 cailloux. Oh, et le soleil se couche. Devine. Putain, il fait nuit. J'ai pas une torche. J'ai des cailloux. Ah. C'est bon là, j'ai assez de cailloux. Ah, les trucs rouges chelous là-bas en vrai. Ok, on va construire un hôtel de flammes là. Parce que ça m'a dit construisez là. Donc on va le construire là. Alors, comment ça se passe? Hôtel de flammes fabriqué. Ok, ça c'est fabriqué. Ah, fumier, Freedome. Freedome Nocti, j'en pense pas moi en vrai. Et du coup, attends, comment je fais? Il est où ce truc? Je l'ai fabriqué, il est où dans mon inventaire? Sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Il est là. Ah, barre d'action actuelle. Et du coup, je peux changer comme ça? Non, RB plus ça? Ok. On va le construire là. Placer. Hop là. Communier avec la flamme. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres survivants qui somnolent dans les cryptes des anciens. Trouvez-les pour qu'ils vous aident dans votre périple. Allez-y doucement. Ah, doucement. L'un d'entre eux vous appelle, tout près, juste de l'autre côté de la brume. Hôtel de flammes. Améliorer l'hôtel, réutiliser. Nouvel emplacement cartographié, quête mise à jour. Trouvez le survivant endormi. Il a l'air loin. On va se construire un futal. Alors, artisanat. Arme. Armure là. Je peux faire quoi? Je peux faire un petit...
faire un petit pantalon. Est-ce que j'ai un pantalon ou pas là? J'ai quoi sur moi? J'en ai un petit, mais il est un peu nul, quoi, tu vois. C'est un pantalon usé. L'autre, il est pas mieux, hein. En vrai. Artisanat. Je peux descendre plus vite. J'irais même qu'il est encore un peu, il est un peu plus pourri. On va se faire des petites chaussures déjà. Les chaussures, c'est important. Fabriquer. Les petites chaussures. Voilà. On a des grelles avec des petits trous dedans. À fabriquer ça vite fait. Ah bah ouais, avec de la ficelle quoi. C'est pas... Compétences. Alors j'ai des points de compétences encore. J'en ai que deux. Je vais attendre d'en avoir trois. Attends, réaffiche-moi le didacticiel. Parce que je sais que tu m'as parlé d'un truc pour aller plus vite. Rapidement, le chiffre, catégorie, section, ces icônes. Ah d'accord, ok. Faut de la ficelle. Est-ce que je peux fabriquer de la ficelle? Oui, là-haut. Fabrique plein de ficelles. Voilà. On va se fabriquer un petit t-shirt. Oui. Et oui, il le fait exprès. Il le fait exprès parce que c'est un canard. Et là, ça, j'ai un petit t-shirt en... Je suis un petit peu loqueteux. J'ai un petit peu loqueteux ou pas là? C'est un canard, ouais. C'est un canard et moi je suis loqueteux. Grave loqueteux. Je peux pas me faire une petite épée genre qui pète un peu? Je peux pas me faire une épée ultime. Arc. Équipable, arme à distance. Ah ça je peux pas encore. Un club. Un club et un bouclier. Faire un club. Grappin, non. Faut que je le mette dans mon sac à dos. Sac à dos. Ah, attends, trier, inventaire. Si je fais ça. Non. Déplacer, voilà. Je vais le mettre à la place de mes brindilles, là. Mettre ma torche là, ça c'est quoi? C'est une grenade? Ok. Ok. Mais ouais, je sais bien. Alors le mec, il faut que j'aille chercher, il est à 500 mètres là-bas. Et là-bas, ça brille un peu aussi. Moi, quand ça brille, je suis un peu curieux en vrai. Alors ce que je disais avant que t'arrives, Onesia, ce jeu-là, c'est pas un monde procédural. Je suis une vraie corneille, oui, oui. C'est pas un monde procédural, la map a été craft. Du coup, elle peut être plus intéressante qu'un Valheim, par exemple. Est-ce que j'ai trop de trucs dans mon inventaire déjà? Non. Ça va, c'est du poids ou c'est des emplacements? Je pense que c'est des emplacements. Il y a un mec là. Il y a deux mecs là. Bonjour. Est-ce que vous voulez goûter de mon club? Viens ici toi fumier. Ça pique hein, ouais. Viens ici toi, viens ici. Salade. Oh, fait, il fait les parades. Putain, j'ai voulu l'esquiver, j'ai raté. Alors j'ai perdu un peu de vie. Est-ce que ma vie remonte d'elle-même à un certain moment, j'ai pas l'impression. Mettons que je mange une baie violette. Non. Régénération de santé active, si. D'accord. J'habite où, moi? J'habite là-bas. Ok. Attends, parce que là, il y a des petites boîtes. Ça, ça m'agace. Que quand tu tapes, il avance, c'est agaçant. On mange pas des bœufs qu'on connaît pas encore. Bah ouais, mais regarde! Voilà. C'est toujours ce que je me suis dit. Les mecs ont testé les baies pour savoir si elles étaient empoisonnées ou pas. Il devait toujours au moins être deux. Un qui goûte et l'autre qui prend des notes. Elle est bonne, la baie? Oh! Donc, non.
ramasser. C'est quoi que j'ai ramassé là? Des lucioles. Ah, il y a dû avoir des pertes, ouais. Ok, là je suis embrumé, mais si je suis dans les flammes, ça réduit ou pas? Je sais pas. Parce qu'ils m'ont dit la lumière c'est bien. Descends de là. Meurs, charogne. Du coup c'est moins contraignant que Valin. Genre t'as pas des blocages à côté de tel ou tel boss. Je sais pas trop encore. Je sais que de ce que j'en ai vu, la progression fonctionne malgré tout à partir de ce que tu peux craft. Mais je suis pas sûr que tu aies besoin de tuer un boss ou pas pour les... Je sais pas trop en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'exploration, c'est quand même plus cool. Ah, dégage! Mais dégage! T'as des capins avec toi là? Je le vois, il est coincé là-bas, il peut pas m'atteindre. Est-ce qu'on a là, on a un passage? Est-ce que si je défonce ça, ça vire le shroud ou pas? J'ai pas l'impression, hein, j'ai l'impression que j'ai fait une connerie. Hein. Y'a un passage. Ah! Ah! Du loot! Des pansements, ouais, mais... C'est un peu naze les pansements en vrai. J'ai récupéré tellement de trucs, j'ai aucune idée à quoi ça sert, je vois rien. C'est bien. Je ramasse de la ficelle, j'aime bien la ficelle, je pourrais me faire un pantalon. Est-ce que c'est plus Minecraft dans le sens progression logique? Fermé potager, oui, je te confirme. Par contre, après, pour le reste, regarde, je suis en slip, je suis complètement loqueteux dans une caverne gluante. Je suis pas spécialement certain de pouvoir te répondre, là, j'ai pas encore tout le knowledge. Ah! Mais ça explose, cette merde! Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai une petite baie, là. Voilà. 1,46. Fouillé. Tout ce qu'il y avait ici. Ah, apparemment il y a des coques. Où est-ce que j'habite moi en vrai? Ouh, je suis perdu. Je suis perdu, j'ai peur. Faut que je sorte de la brume. Ok. Eh, les champis. J'ai pas préparé de PowerPoint. Ben non! Le jeu, je l'ai téléchargé et lancé 4 minutes avant de me mettre live. Zone protégée par la flamme. Abri. Vous savez quoi? On va se construire un petit abri de fortuitude. Je suis carrément un homme qui prend... Ouais. Là, sur ce coup-là, ouais, mais j'étais impatient aussi. Dans ma tête, c'était, putain, j'ai carrément envie de jouer à ce jeu qui sort, et c'était... Ouais, mais tu stream, je fais... Vas-y, on va jouer. On va jouer au jeu qui sort en live, t'as vu. Bien sûr, je comprends, Nézia, je comprends. Alors, je pense que pour construire des trucs... Attends, j'ai vu passer des trucs, c'est où? Qu'est-ce qu'on a dans ce merdier? Un établi. Fabriquer des blocs. De nouveaux objets. Réparer de l'équipement cassé. Ça peut être pas mal. Un marteau de construction. Capable de bâtir diverses structures dans votre demeure. Peut uniquement être utilisé à l'intérieur. Passer en mode construction. Vas-y. Fabrique ça. Hache d'abattage. Ok, bon. La hache, la pioche. Jusque-là, on est bon. Torche et crochet. Pour ouvrir une serrure, il y a des crochets. Comme quoi, faire des choses. Comme quoi. Sac à dos. Alors j'ai un petit.
C'est quoi, on va construire l'établi aussi, sa mère. Comment ça marche maintenant? Ok, celle-là. Alors. Si je mets mon établi genre là, là. Qu'est-ce que je peux faire avec après? Comment je fais? Tourner. Tourner, utiliser. Non. A. Comment j'ai fait? X. Ok, X. Artisanat et réparation. Est-ce que je peux... Ok, tu rentres dedans, ça répare tout. Ça, c'est bien. Fabrication manuelle établie, je peux construire des blocs de pierre. Des blocs de bouée. Stockage planeur. Bois de brume, fourrure, ficelle, sport de brume. Rachette grappin. Toiture en fibre végétale. On va faire 100 blocs de bois. On va se faire un petit cabanon. Ok, comment je craft? Passer en mode construction. LT. Sélectionnez la forme que vous voulez utiliser pour construire. Sélectionnez le matériel que vous voulez utiliser pour construire. Ouvrez le sommet sélectionné pour le kiffer. Alors. RB. On va faire le sol déjà. Je ne peux construire que autour de ma flamme. Ok. On va faire une petite maisonnette là, tiens. Ah, j'ai plus assez de bois déjà, mais combien ça m'a pris de petits... J'en ai construit 100 des petits blocs. Là, ça en demande combien, ce petit merdier? Où est-ce que je vois combien ça en demande? Combien? Oui. Oui. Encore, Fumax, ça fait même pas une demi-heure, Freedom. Ça va pas du tout, ça, Freedom. Ouais. Alors. Non! Construit! Voilà, comment je sors de ce mode maintenant? LT, terminé. Ok, j'ai construit un petit plancher. C'est pas mal déjà. Artisanat et réparation. Donc, si je veux construire plus de blocs de bouée, bah, je peux en construire plein, vrai. Ok. Allez, on va voir si on peut faire toute une maison. LT. On construit. On va faire une petite 4x4 basique pour commencer. Salut Arcadio, comment ça va-t-il, mon grand? Ma grande, en vrai, je sais pas. Comment ça va-t-il, viewer? Alors, un mur. C'est un peu haut, ça, non? Ou c'est un peu haut de plafond? Bah écoute, ça va. Ça va. Je suis en train de tester... Enshrouded. Non. Et là, je suis en train de me construire un petit cabanon. Éloigner RT, RT plus. Ok. L'heure des cookies. Il réagit l'autre con ou pas? Pas trop beau, je te jure, des fois. Essaye de faire des trucs originaux, toi. J'ai plus de bouée. Non, je suis trompé.
Ok, je sors de là, terminé. On avance, regardez ça. Ça va être pas mal. Je vais mettre la porte ici, là. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Il n'y a pas moyen de mettre de la musique. Mon pas trop beau. Mon pas trop beau. Réagis-toi du... Il va sauter mon pas trop beau en vrai. Réverbération dynamique, sourdine en arrière-plan, non. Eh ben maintenant tu réagis, nulos. J'aurais construire d'autres bouts de bois, s'il te plaît. Voilà, bon, j'ai plus de bois par contre. Hein. Faudra récupérer les brindilles là après. Passer en mode construction, LT. Là, on va mettre une petite fenêtre. Là aussi. Alors, RT. Impossible de construire. Pourquoi? Parce que ça doit être trop proche du merdier, là, je suppose. Ah, voilà. Fenêtre. Et là, une porte. Ok. Est-ce que je peux construire une vraie porte en vrai? Non. Putain, les boutons. LT. RB. Terrain, non. Ça, c'est des cailloux. Je peux pas. Je prends un caillou. Je voudrais construire une porte. C'est pas grave. On va tenter de faire un toit. C'est dans ces moments-là que tu vois si ton jeu est bon. C'est est-ce que les gens arrivent à faire un toit facilement ou pas. Pas un toit plus large, non. Un petit toit. Voilà. Est-ce qu'il est bien placé là? Je peux l'emmener là-haut? Ouais. Oh, j'ai déjà pu... Ok. Bon bah ça avance, tranquilloum. Hein? C'est pas mal. On va se faire une petite hache. On va aller couper du bouet. Fabrication manuelle. Qu'est-ce qu'il me manque? Oh, il manque de la ficelle. Est-ce que je peux construire de la ficelle? Non, il me manque des fibres. Ok. Je récupère juste des baies et un petit peu de fibres de plantes aussi. Ah bah, il y a des champis. C'est des buissons qu'il me faut. Il faut des buissons. Ça, ces merdouilles là. C'est que ça, coucou, ça va toi? Mais non, mais reviens. C'est mon pote ou pas maintenant? C'est pas mon pote du tout. Attendez, je suis curieux là. Ah bah c'est le caillou déjà. Ah, ça a l'air grand quand même hein. Ah bah, il y a un village. Ouais, je ramasse des champis peut-être aussi en même temps. J'avais un objectif, hein, et là je suis parti déjà, je papillonne. C'est incroyable ça d'être moi. Je suis à 7. Je suis à 7. Viens, je suis à 7. T'es mon copain. Pourquoi ils veulent pas être mes copains? Abattez les ruches depuis les arbres pour récupérer le miel, la cire. Attention, les ruches sont généralement protégées par leur essaim. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit Pascal, installe-toi, prends un cookie et merci du follow. C'est cool.
Alors attends, il me faut encore... Je dois avoir assez là, non? Pour construire un petit peu de ficelle. Parce que je veux une hache. Je veux une hache. Une fois qu'on aura une hache, je pense qu'en coupant des arbres, les brindilles, les fibres, etc., ça devrait aller. Alors, pour la hache, il me faut... Non, fabrication manuelle. J'étais pas obligé d'y aller, en fait. Voilà, on va faire une hache. Elle est où, ma hache? Elle est là. Mais... J'aimerais bien que mes outils principaux soient au même endroit. Faut quand même mettre ça là. Voilà, là, je suis pas mal. Puis le village brûle les femmes. Oui, bien sûr, je vais faire ça. Les enfants, prends les hommes comme guerriers pour dompter le monde. Freedom a de très très grands projets dans la vie. RBRT. Putain. Allez, toi, tu seras le premier arbre que je vais couper. Comment ça marche ? Alors, qu'est-ce que je récupère? Des brindilles, ok, du bois, sans surprise. Mais pas de fibres, donc ça va être vraiment dans les petits merdouillons là-bas, là, ces trucs-là. Là. Couper du bois, oui. Couper du bois, oui. Je coupe du bois, qu'est-ce que je fais? Mais oui, non, mais je sais bien, mais... En plus, tu peux bien, tu vois, un petit coup comme ça, pépouze. Après, tu peux t'acharner sur le... Ah voilà. Ok, j'ai plein de bois. On va récupérer un peu de fibres pour finir le toit. Un petit caillou. Il est trop calme ce jeu. La musique devrait être tout le temps en permanence. Ça me stresse ce calme. Je vais mettre un petit peu de... Ça. Voilà. Alors. Je vais faire des petits cubes. Comme... Au moment où je mets ma musique, hein. Il y a de la musique in-game, c'est exceptionnel. Non, c'est des... Voilà, ça que je voulais faire. Ok. On va finir mon toit. Comment je repasse déjà en... Il y a beaucoup de touches pour rien, je trouve. Il y avait moyen de simplifier les choses. Nezo aime le craft, oui. Dans l'autre sens maintenant. Alors attends, les touches. RT, c'est les combis de touches en fait. Ils auraient pas pu trouver mieux. Il y a des jeux qui le font nettement mieux. Hein. Pas les copier les voisins, les gars. Quand le voisin fait un truc bien, t'as le droit de copier en vrai. Hein. Même à l'école, hein. Ok, on a un touet. Est-ce qu'il y a un petit triangle? RB, plus de forme. Ça. Ça, ça me paraît de bon plan. Ouais, ouais. Let's go, let's go. RT, on tourne. Voilà. RT, on tourne. Eh ben écoute, merci Arcadio, c'est cool. Merci pour les 100 bits, mon grand, c'est cool. Ça fait plaisir. Hop là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a dit Beowulf. Beowulf, je suis en train de construire une petite cabane là. LT.
Alors, chaleur. Ah, j'ai pas de chaleur encore. C'est pas mal ça. Mais... Arcadio, enfin. Donc en plus, Arcadio, déjà, merci énormément, ça fait super plaisir. Mais tu sais que si tu si t'écris un petit message à la suite, minimum 50, là, il y a une dame qui va le lire, qui va le lire en direct devant tout le monde. Mais merci mon grand, c'est cool vraiment. Ça fait plaisir. Il est bon mon petit cabanon ou pas là? C'est cool que par défaut comme ça, ça soit joli. Là, j'ai pas trop galéré là, j'ai fait 4 murs. Ça s'est relié correctement. Et ça a déjà sensiblement de la gueule, tu vois, le toit est proprement fini, etc. Ah, dans Valheim où tu dois tout faire à la main, mais après voilà, c'est... abri assis dans endormi, ok. On va mettre mon petit établi à l'intérieur dedans, tiens. Ramasser. On va mettre ça dedans, qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai appuyé sur un truc. J'ai mangé un truc sans faire... Ça fait quoi si j'appuie là? Ah ouais, je mange des trucs. Bon, il est où mon... Ça, c'est chiant. Je l'ai construit. Il faut que je le... Non. Il faut que je le mette. Ça marche. Non, non, mais... Merci encore une fois, mais te force pas. Le fun, il est gratuit ici. Enfin, sauf Freedom. Lui, Freedom doit payer pour être là. Mais ça, c'est un autre... Tourner à 90 degrés. Voilà. On va mettre ça là parce qu'il y a une petite poignée. On va mettre ça dans un petit coin. Et comment je fais pour le placer déjà? X. Yes. X. Regardez ça. Oh, j'ai pas de porte. C'est quand même malheureux, non? Je suis désolé, je m'éclate tout seul comme un gosse, là, je ne fais strictement rien dans le game, là. Laissez-moi jouer avec mon nouveau jouet. Ça va, je me dépêche. Communiquer avec la flamme, qu'est-ce qui se passe si je recommunique avec la flamme? Améliorer l'hôtel. Tu veux jouer à des... Regarde ça, Nika, ma petite baraque, là, dans ma petite plaine. Et en vrai, les éclairages sont classe. Moi, je regarde, c'est classe. J'ai une gueule de con, par contre. Arrêtez, c'est Blood, Jack. Blood. Pas Blood. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. C'est faux. Quel est mon but dans la vie? Il faut que j'aille chercher quelqu'un là-bas. Je vais tenter de m'équiper un peu. Est-ce... Non. Je vais construire un coffre. Est-ce que je peux construire un genre de coffre? C'est Blue Jack. Tais-toi, Freedom Nocti. Est-ce que je peux construire... Comment je fais pour... Attends. Arme, chiffon... Non. Peut-être sur mon petit établi, là. Qu'est-ce que je peux construire avec ça? Des blocs? Non. Construction d'échafaudage. Il y a des vrais échafaudages dans le jeu. T'es pas obligé de faire des escaliers nuls pour monter. Ça, c'est bien. Planeur. Grappin. C'est pas le bon game. Ah, cheminée. Et un lit. Il me faut de la ficelle pour le plumard. Des éclairages, décoration. Une porte. Je vais faire une porte, mais il me faut deux portes en bois. Ah, je sais pas en faire une déjà. Comment tu veux que j'en fasse deux? Ah, construire un petit... Alors, faut que je mette ça. C'est ça qui m'emmerde. Maintenant que c'est construit, il faut que j'aille dans mon inventaire. Pourquoi les champis, là, ils sont pas... Attends. Champignons rouges grillés. Ah, celui-là, il est grillé. Celui-là, il est pas grillé. D'accord. On va mettre ma petite chaise.
Ok, alors ça on va le mettre. Mettons que je mette mon lit là. On va le mettre là, là. Avec l'aération, ça fait de l'aération comme ça. RT plus machin pour tourner. Non. RT plus. Ok. Placer. Maintenant on peut faire de la cuisine. Et ma petite table, ma petite chaise, voilà, voilà, on va la mettre là. Ça c'est pour quand je cuisine. On se sent pas chez soi là tout de suite. Est-ce qu'on se sent pas chez soi? Cuisiner. Mettez. Non, c'est pas Jacques Blood, arrêtez. Oh, vous êtes des fumiers. Mettez de la nourriture dans votre barre d'action et appuyez sur X pour cuisiner. Ok. Mettez de la nourriture dans votre... Alors, on va cuisiner... J'accent. On va cuisiner la viande maigre crue. Maintenir pour cuire. Et si je lâche, bah c'est pas cuit. Ok. Il faut vraiment maintenir le... la cuisine. Je pense qu'il y aura un truc qui... Il prend en sorte que c'est automatique après. Mais là, pour l'instant, je dois vraiment faire un petit épi de maïs. Ça va faire du popcorn. Hop là. Ah, le petit bruit est bien choisi. Je vais cuire des trucs. RB plus R. J'ai autre chose à faire cuire tant que je suis là. Ok, alors, un plumard, parce qu'à mon avis, ça doit être important. Une table aussi. Oh, je crave des trucs, arrête, arrête, focus-toi, t'as dit un plumard. Je me fatigue en vrai. En vrai, je me fatigue. On va mettre ça à côté de l'établi, non? On va mettre ça là. RT plus... Il me faut de la ficelle et du coup des buissons. Je trouve des buissons. Ouais. Promis, on va voyager un peu après. On va voir autre chose que mon 4 bouts de mon 4 mètres carrés là. Non. Un t-shirt. Mais oui, mais quoi? Mais j'ai que celui-là pour l'instant. Il est un peu loqueteux, mais t'as vu, c'est pas grave. Moins loqueteux, mais j'ai pas les plans. Ça. Ah bon, j'ai pas de pioche encore. Mais en vrai là, parce que j'attends pour certaines choses, parce que le jeu a l'air de m'en expliquer pas mal. Mais est-ce que c'est une fausse idée que je me fais? En fait là, le jeu c'est bon, là maintenant il me laisse me démerder. Parce qu'en gros il m'a dit va chercher un mec là-bas. Il m'a pas vraiment dit ce dont j'avais besoin, ni comment y aller. Après c'est un survival, hein. Je comprendrais que voilà. Il y a de la musique là. Je vais me faire un lit. Je suppose que les lits sont importants. Après le lit, c'est bon. Après le lit, on va faire autre chose. Lit, il me faut de la ficelle. La ficelle, fabrication manuelle. Lit. Ok, j'ai un plumard. Mettre pas dans ce sens là. RT comme ça. Voilà. C'est une paillasse, voilà. Après, je vais me faire un autre plumard. Pas un autre plumard, un pantalon. Le pantalon loqueteux. Non, c'est pas ça que je fais. RB. Alors, je vais y arriver avec les touches à un moment. RB. Ok. Un pantalon loqueteux. Vas-y, roule. Équipe-le. Est-ce que à la base, j'avais pas dit je veux juste faire une boîte pour mettre mon merdier, après je me casse. Je crois que j'ai dit ça. Voilà. Cool set loqueteux, là. On est pas mal.
n'est pas mal. Et beau gosse là ou pas? Ok, allez, qu'est-ce que j'ai sur moi? RB. Ok. J'ai ça qui est pas mal. J'ai ma hache. Vas-y. On a de quoi partir à l'aventure là. Oui. Tout à fait. Mais ça c'est moi. Ça c'est moi dans tous les jeux vidéo. Dans tous les jeux vidéo, je me fais moi parce que je m'aime. Merci mon grand pour les 20 bits. C'est cool. Alors, il faut que j'aille là-bas. On y va. Je pense que j'ai de quoi survivre. J'ai une petite arme, j'ai les torches. On est parti. Tu vas réussir à suivre Onésir là? Refais des cookies. Dans le doute, refais des cookies. J'aille là-bas à peu près. Il y a des ruines et tout, il y a des trucs à visiter. Vous pouvez pas me dire va là-bas et mettre ça entre moi et là où je dois aller. Ça va, vous ? Je ne vous ai pas tué encore, vous. Méfiez-vous, ça risque d'arriver. Il y a un campement là-bas. Le pont, je peux passer sur le pont. Pont de Braylin. Des mecs morts. C'est pas mal en vrai. Ah! Vous ne pouvez pas continuer sans grappin ici. Cherchez plutôt un chemin à travers la brume. C'est obligé en vrai? Attends, il y a des trucs en bas. Alors, c'est quoi dans le petit sac? C'est solide le sac en vrai. Non, je voulais pas dormir. Relève-toi, Benoît. C'est ça que je voulais que tu récupères. Ok, du tissu déchiré. En même temps, je me fais des fringues avec du tissu déchiré. Je m'attends à quoi? T'as juste à fouiller dedans en vrai. T'es pas obligé de tout péter quand t'arrives dans une pièce. Incroyable ça. Je fais des locks avec des locks, voilà. Après les gens s'étonnent que j'ai cette dégaine là. Mais en vrai, on est plutôt proche de la réalité. Ah! Journal du capitaine, jour 6. Les pillards nous ont assiégés. Les pillards nous ont assiégés ces deux derniers jours. Attaquant depuis le pont. Leurs yeux, une telle folie. Nous avons résisté jusqu'à présent, mais tout juste. Nous ne survivrons peut-être pas au prochain assaut. J'ai ordonné de piéger le col avec nos dernières munitions. Si ces maraudeurs reviennent, nous serons prêts. Ils ont fait sauter le pont. Il y a du loot. Potion de soin. Je prends. Et si je pète tout ça, là? Je peux récupérer des trucs ou pas? Je n'en ai pas l'impression. Il y avait des armes sur l'établi là. T'aurais pu prendre les armes au lieu de tout péter, gros, sans déconner. Ok, donc il faut que je trouve un passage à travers la brume. Ça va pas bien se passer en vrai. Je vais crever. Hein. Ah, je vais crever. Notre torche. Journal du capitaine, jour 20. Nous sommes affamés. Il a fallu détruire le pont. Ouais, bah j'ai vu. Ouais. Et avec lui, notre connexion aux approvisionnements. Mais ça a fonctionné. Nous n'avons pas vu d'autres maraudeurs. La crypte des cendres et ceux qui sont dedans sont en sécurité et devraient le rester. Si nous voulons éviter la famine, nous devons peut-être tenter notre chance dans l'horrible brume. Dans les deux cas, c'est la mort assurée. Wow. Tu peux manger ton sous-lieutenant par exemple. Pansement, potion de soin. Ah, il fait nuit maintenant.
Oh, il y a des bruits. On aurait peut-être pu y aller de jour, hein, mais je me suis dit non, j'ai envie de me faire dessus. Restez sur le chemin de crainte que la brume ne s'empare de vous. Le salut est droit devant. Droit devant. D'accord, mais il est où le chemin? Ok, je suis juste les... Ouais, mais il y a l'air d'avoir du loot partout là, les... Ah! Dégage-toi! Je récupère du loot là, je récupère du loot stylé en vrai. C'est quoi ça? Ces capsules sablières remplissent votre temps dans la brume maximale. Elles se consomment en utilisant et ne peuvent pas être accumulées dans l'inventaire. Restaure le temps, je te remercie bien. Je crois que j'ai eu du loot stylé, mais on va pas s'attarder. On fera le tri en sortant de la brume. Baguette. Il y a du stylé en vrai, je suis obligé de m'attarder. Vas-y, on se casse, il y a une ambiance chelou en vrai. Elle est où la prochaine? Elle est là-haut. Oh mais c'est stressant! Embrumé, bah je m'en doute bien Benoît. Abri, chaleur. Ok, mais là je suis abrité. Et là je suis désabrité. Oh, faut que j'aille par là? Non. Par là. Je peux avoir une torche, merci. Je brume. Oh. C'est bon, je suis sorti là? Je suis de l'autre côté les gars. Et les mecs, je peux l'allumer ça? Cuisiner. Ouais, je l'ai allumé avec ma torche, ok. Des progrès spectaculaires sont réalisés. À tous ceux qui ont posé les yeux sur mon merveilleux nom. Laissez-moi recommencer. À tous les voyageurs, j'ai conquis ce terrain avec ma grandeur. Non, ça va pas non plus. Quand je descends, voilà. Le pont est presque fini et je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie. C'est déconcertant. Quelle chance d'avoir eu une mine si proche et regorgeante de matériaux et de minerais. Principe d'une mine, donc. Une chose est sûre, je nommerai ce pont Brelin, du nom de feu ma cinquième tante. Quoique, si elle avait été en vie, elle n'aurait pas apprécié cet hommage. Vu que le pont et elle partagent un nom, mais aussi une nature impétueuse, signée Cade Hawthorne. Bah écoute, ça marche, Kane. Bon, j'ai l'air d'être moitié à l'abri là. J'ai récupéré des trucs. Hein. Sac à dos, sac. J'ai récupéré des trucs. Attends, c'est où que je... Où est-ce que je peux équiper ce merdier? Je crois que j'ai récupéré un anneau. Anneau sigilé de la vieille garde. 8 santé, 10 endurance. Ouais. Ouais. Et j'ai récupéré quoi d'autre? Bon goûter, mon bon Arcadio. Enjoy. J'avais pas chopé. Une baguette? Non, j'ai une épée. Je suis pas fou, j'avais bien vu passer le mot baguette, non? Ah non, c'est peut-être que je peux craft des baguettes maintenant. Ouais, c'est ça, arme magique. Il faut des os. Ok, c'est parce que j'ai trouvé des os que je peux... Ok. Ok, maintenant je peux craft des baguettes, ça c'est pas mal en vrai.
Elle est un peu forte cette musique. Maintenant c'est éteinte, mais en vrai c'est pas grave. T'as vu Onesia ? Il y a de la magie. Et regarde, il y a des arbres de compétences avec des... Tu peux être un athlète, un barbare, un guerrier, un tank, mage de combat, guérisseur, magicien, farceur, assassin, garde forestier, maître de la bête et survivant. Il y a de la cape, il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait de la cape en vrai. J'ai trop de merdier dans mon sac, j'ai des bouquins aussi. Une pile de vieux parchemins usés et déchirés par les ravages du temps. Je peux faire quoi avec ça? Diviser la pile. Parce que là j'ai plus beaucoup de place en vrai. C'est pas grave, allez on continue. Il y a des ruines là. Ok là, là c'est l'autre côté du pont. Ah ouais, mais si le chemin il se coupe là... Ok, ouais, ok. L'autre côté du pont. On va aller voir s'il n'y a pas... C'est pas bon de gratter un petit peu de loot, t'as vu, c'est pas... C'est des choses qui arrivent. Peut-être moyen de le réparer ce pont à un moment donné, je pense. Il y a des pièges à loups. Fais gaffe, Inigo, il y a des... Ah bah non. Vous pouvez traverser les groupes en utilisant un grappin, ok. J'espère que le grappin soit de l'autre côté en vrai, mais non. Et voilà, Roof. On y va, on est diable. Je me dépêche, je vais focus là, objectif grappin. Attends, je t'en débrouille. Ça va, Tim, mon bon Roof? Comment ça va aujourd'hui? J'avais pas eu un petit campement par là? Ah non, c'était le pont. Très fatigué, t'es très mal, tu rentres de course. Les courses. Hein. Quelle idée aussi. Quelle idée aussi d'aller faire des courses. Et va t'allonger, mon bon Roof. Fais-toi un petit thé pas mal, là. Fais-toi un petit kiff avec un bon thé. Happy. 25 streams de suite, Roof, bien joué. Bien joué, mon grand. Ah, mais y a un mec là-bas. Bonjour. Les buissons peuvent vous cacher lorsque vous êtes dedans. Appuyez sur pour vous accroupir. Utilisez pour vous faufiler parmi les ennemis. Ça, je me faufile. Attends, je crois que j'ai une épée. Voilà. Toujours mieux que ça. Scred, scred. Du coup, c'est un gentil ou pas? Non, c'est un ennemi. Pas moi de lui faire un petit coup à one shot. Oh, il m'a vu direct. Ça dégage. Fouillé. Ferraille. Fourrure. Ah. Ok. On va peut-être manger une petite baie là. Hein. Je suis pas contre manger une baie. Ça serait pas mal. Je suis en train de commencer à comprendre l'interface. Ça serait pas mal que ma bouffe de régène soit en premier parce que je peux y accéder avec la...
la croix du haut. Donc si je mets mes petites baies de régène par exemple, si je les mets là, et que mon épée, je la mette là. Là, on peut être pas mal. Après j'ai une grenade, venez on essaye la grenade sur l'autre là-bas. Et on va essayer de jeter la grenade sur le mec là-bas. Ça le vise là ? Je sais pas faire. Deux, trois fois dans le mois, je suis obligé de bien. Ouais. Mais non, c'est pas Skyrim Discount. Ouf, j'ai l'impression que t'as appris un nouveau mot. Le mot discount. Et que tu t'en sers à toutes les sauces sur le tapis. Si je reste dans l'ombre comme ça, il me voit pas en vrai. Je pense qu'il y a des musiques de combat ou pas. Ouais, tu m'as carrément vu là en vrai. Oh, j'ai bien fait de l'esquiver celle-là. Allez, ça dégage. C'est quoi ces 20 discounts là? Et ça c'est quoi? Ça à mon avis ça explose si je le tape, donc on va pas le faire en vrai. Ah, le soleil se lève. Ah, c'est un trou. Eh ben, remonte. Fouillé. Oh, bûche. Ramasser. Réparer votre équipement, oui, s'il vous plaît. Merci. Mais ça, c'est des potes de... Lire. Nouvel échec. La capsule descente est tombée en panne pendant les essais. Le rat que j'ai utilisé à l'intérieur a été carbonisé par la flamme coalescente. Un flash lumineux, puis plus rien. Heureusement, l'effet secondaire de la cécité n'a été que temporaire. J'ai un nouveau sujet. Un autre rat. Igni. Avec un peu de chance, notre chemin vers le salut. Je ne peux pas accepter plus d'échecs. Je m'assurerai que la capsule descente tienne comme si ma vie en dépendait. Ça se pourrait bien. Balthazar. De quoi, mon bonhomme, on dirait un mignon. Ouf, de quoi tu parles? Le ciel s'est levé super. Le gros truc. Les gros trucs violets. Ah! Mon pote robot? C'est mon pote robot. Ok, faut que j'aille là-dedans. Dans le jeu. Qu'est-ce que t'as vu de violet, mec? Ça, là? Roof, je m'excuse, j'ai aucune... Ah, ça c'est... Ouais, d'accord, ok, je le vois. Ah. C'est vrai qu'on dirait un peu un mignon. Celui-ci, oui. Celui-là est décédé. Bref, rentrons là-dedans. Avec mon épée peut-être, parce qu'on sait jamais. Bonjour. Ouais, viens par ici toi, viens par ici, je t'attends. Double esquive. Fais ton cake, fais ton cake. C'est le décès pour toi, mon grand. Désolé. Au provisoire. Je vais plus avoir d'espace dans mon inventaire rapidement, là, je crois. Allez de l'avant. C'est fait. La capsule des cendres est un engin délicat, encore instable, mais débordant de potentiel et d'espoir. La première personne qui entrera sera notre véritable prototype. L'amorce d'une nouvelle étincelle. Heureusement, le forgeron s'est porté volontaire.
Il doit entrer dans la capsule et dormir jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Oui, ça se tient. Sinon, il basculera dans l'éternité. Que les cendres d'une époque nourrissent les graines de la suivante. Balthazar. Ça veut rien dire, ça. Il doit dormir jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Cette phrase n'a pas de sens. Mon bonhomme n'est pas miséreux, mon bonhomme est loqueteux. Et pour l'instant, c'est tout ce que je peux craft. Et je suis hyper swag. Je suis autant à la mode que le mot swag. C'est pour dire. Lieu atteint, réveiller le survivant. Oswald Anders, le forgeron. Procédé appris, baguette d'invocation. Charbon, foie à charbon. Trouver le survivant endormi. Invoquer le survivant. C'est ma prochaine quête, ça ? Journal. Ok, faut que je trouve le survivant. Faut que j'invoque le survivant. Artisanat. Il me faut, ils m'ont dit. Pioche en pierre, non ? Baguette d'invocation. Aux bases autour d'un hôtel de flammes. Ok, il faut que je retourne à mon hôtel de flammes. Est-ce que il y a fast travel monde? Quoi ça? Rapport sur la construction du pont. Je viens d'où? Moi j'étais là. Ouais. Action. Localiser un point. Action. Voyage rapide. Ouais, let's go. Quand même bien fait. Me voilà donc chez moi. Pourquoi il y a un point d'exclamation sur ce truc-là? Ce survivant sera un atout pour notre cause. Placez-le dans votre base avec une baguette d'invocation. Que vous pouvez fabriquer à partir de simples brindilles. Je peux améliorer l'hôtel pour étendre. D'accord, elle est où ma baguette? Elle est là. On va la mettre là. Préparez la baguette d'invocation. Je voudrais invoquer ce mec avec une moustache glorieuse, s'il vous plaît. Tati! Harry Potter version préhistorique. Ouais. Ça passe aussi en vrai. Savati, enfin de retour parmi les vivants. Je suis un humble forgeron à votre service. On va vous préparer une... On va vous préparer pour la suite de vos aventures. Ça serait pas mal, mec, en vrai. Parlez et fabriquez. Attends, c'est quoi la suite de ma quête? Parler à la flamme. C'est ça la suite de ma quête? Non, c'est fait tout ça. Bon, j'ai pas de quête pour l'instant. Avada Kedavra, ouais. Mais je viens à peine de l'invoquer! Vous avez réveillé vos proches, la flamme est satisfaite. Cherchez d'autres survivants qui dorment dans les hautes pâtures. Ok. Qu'est-ce que tu peux me craft, toi, Benoît? Fabrication première étape. Vous avez eu du temps à me trouver. Regardez-vous, faible et chétif. Mec, il te manque un œil déjà. La vue en 3D, c'est plus ton délire et tu viens me parler. Et il vous appelle sang de flamme? La première chose qu'il vous faut, c'est une arme. Heureusement que vous avez croisé mon chemin. Fabriquer une épée rudimentaire ou un gourdin clouté nous servira sans aucun doute. Et feu purificateur. Valbraise peut encore être sauvée. Là où il y a de la cendre, il y a de la braise, petit. La brume étouffe les vallées. Alors cherchez le puits de l'élixir avec votre nouvel équipement et éliminez la racine de notre misère.
enflammez les profondeurs et mettez le feu à ce mal. C'est Freedom qui a écrit le scénar? Non? Allez, je compte sur vous, sang de flamme. Bien reposé. Même avec un nouvel équipement, vous ne devriez pas vous sentir trop en sécurité sur le terrain. Avant de partir, reposez-vous et mangez. Un feu, un toit au-dessus de votre tête et de la viande dans votre ventre vous prépareront à tout. Non, je suis bourré de boutons. Y. Avada des cookies, oui. Alors, il faut que je construise une forge, hein, ça me paraît très logique. Arme à une main, une épée ou des clous. Comment je construis des clous? Avec de la ferraille. Ok, j'ai une armure qui pète maintenant. Ah! Bon, c'est moins loqueteux, mais voilà. Bon, il faut de la fourrure, là. Il va falloir qu'on aille chasser, les gars. Il va falloir qu'on aille chasser, hein. Ce petit chapeau-là, j'ai hâte. Ce petit chapeau-là, les gars. On va pas se le cacher, j'ai hâte. Plateau métallique, un objet décoratif. Abri. J'ai besoin d'un véritable atelier de forge pour pouvoir fabriquer l'équipement adéquat pour votre périple. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas difficile d'en construire un. Vous aurez besoin d'un établi, de quelques blocs de construction et d'un marteau de construction. Allez au boulot. Alors déjà, tu me parles autrement, Benoît. Planeur. La flamme ne vous donne pas d'aile, gamin. Fabriquez un planeur à l'établi. Ce sera plus facile pour aller et venir. Parfait pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. N'oubliez pas que l'utilisation du planeur épuise votre endurance. Mais ce que j'ai vu, vous en avez en réserve. Mais pas tant que ça, en vrai. Ok, ça c'est ma petite baraque. J'ai tout un tas de merdier dans mon avant. Arrête tout. Construis. Un quelconque coffre, confort, lit, table, foyer, chaise, banc, éclairage. Table de nuit. Non, je me construis pas de table de nuit. Porte. Et ben voilà, une porte. On va construire une porte déjà et des fenêtres. Parce que quand même. Repose-toi, mon bon Roof. On va mettre ça. Là. Fenêtre. On va mettre là. RBR. On peut la mettre de l'autre côté ici. Au centre. RT. RT. Ouverture. Fermeture. Ouverture. Fermeture. Bon, et réouverture parce qu'il faut que je sorte, mais... Ben je vais te faire un petit truc, toi. Je vais le mettre à côté, mais j'ai pas de coffre. Je veux un coffre. Je suis bigleux ou pas? Construction d'échafaudage, matériaux de construction, blocs de pierre, toiture, stockage. C'est là. Petit coffre, espace de rangement accru pour les objets. Ok, il me faut des clous et des bûches. Ok, on va aller couper du bois. Est-ce que j'ai de quoi faire des clous en vrai? En vrai, c'est pas clair au début. Hein. Ressources, ficelles, pansements. Bah... Ah non, c'est le... C'est lui qui me fait des clous. C'est toi qui me construis des clous, Benoît? Ouais.
avant. Ok, allez, on va aller piocher du... On va aller piocher du bois. Non. On va aller couper du bois. Non, RB. Elle est où ma hache? Elle est là, c'est bon. Je coupe du bois. Comme un gros vénère. 6 bûches. Allez, continuons. On va faire 2 autres. Hop là. Non. Y. Ce que j'ai ramassé là. C'était un arbre pauvre. Je peux couper le gros là. Apparemment. Hop là. Ok. On va construire un petit rangement. Ça, on prend de forgeron. Mais ça va, j'y vais. Eh, bosse un peu, construis-la toi-même ta baraque. Je me fais engueuler par le forgeron, je viens de le libérer le mec. Stockage. Petit coffre. Et alors? On va mettre ça... Là, comme ça. Hop. Alors combien je peux ranger de merdier là-dedans? Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Bon, ça je pense que je peux le ranger. Je vais pas en avoir besoin tout de suite. Non, comment je fais? La personne dans ton entourage qui l'a... Et commencez pas. Commencez pas tous autant que vous êtes. Mes vieux bouquins. En gros, je sais pas à quoi ça sert. Je peux faire peut-être juste ça. Déplacement rapide. Ok, ok. J'ai de la flotte. Ça, c'est quoi? Je sais pas trop à quoi encore ça sert. Ça aussi. Des runes. Luciole. Après, les matériaux de construction, je sais pas si j'ai besoin de les avoir dans mon inventaire ou si j'ai juste besoin d'être à proximité. Je ne voudrais pas diviser la pile, je voudrais... Voilà, merci. Ok. Ça... Mets dedans. Alors. Il a besoin de quoi? J'ai besoin de quoi pour construire un établi de bûcheron? Non, c'est à toi du coup qu'il faut que je demande. Hein. Et tu vas avoir besoin d'un toit, tout ça. Forge, voilà une forge. Il faut de la pierre, de la ferraille, du charbon et des bûches. La ferraille, je l'ai récupérée au hasard. Il faut... Ok, pour le charbon, il faut quand même des... il faut quand même que je fasse un four à charbon d'abord. Allez, arrivé. Méfie-toi. Méfie-toi vraiment de ce que tu dis. Après, il y avait cette zone-là, là-bas. Est-ce que il y a moyen de retirer le shroud, là, de cette zone? Ou est-ce que c'est comme ça tout le temps, maintenant? On va voir. Embrumé, je sais. Pas moyen de libérer la zone, quelque chose. Je suis allé à l'intérieur tout à l'heure. Pas genre un cœur de quelque chose à casser.
ça. J'ai pas l'impression que ça serve, ça. Ça se calme ou pas, ça? Si je suis dedans, non, c'est pas bien si je suis dedans. Là, y a rien. Y a une vieille table. Je peux pas libérer ces zones, en gros? J'ai rien oublié dans le coffre. Je peux pas récupérer le coffre? Bon, il est solide, hein. On reviendra peut-être avec des trucs mieux, mais... C'est toujours... ouais, je suis toujours embrumé, là. Bon, vu qu'il fait un peu jour, je vois mieux, tu me diras, mais... C'est juste cette petite zone-là. Oh, c'est dégueu. Ah, oh, c'est dégueu, ça colle. Tu fais là, toi? Je crois que je te vois pas. Bisous. Ok, il me faut de la caillasse. Donc là, du coup, je pense qu'on va finalement se construire une pioche. Chose que je n'ai pas encore faite. Alors que normalement, c'est la base. Pioche en pierre, il me faut des brindilles et un caillou. Let's go. Oui, piège, tout à fait. Non, pas dans la mine, en extérieur déjà. Même si j'avais lu un truc qui m'avait dit dans la mine, dans la mine. Si je les tue, je récupère des pots, mais ils courent trop vite en vrai. Courez pas si vite, je veux vous tuer. Alors qu'est-ce que tu lâches? Fourrure, voilà, il m'en faut de la fourrure pour faire ma prochaine armure en vrai. Donc je suis désolé, il va falloir qu'on bute de l'animal qui a rien demandé. Hein. C'est pas moi qui dis, c'est le jeu. Qu'est-ce qui me manque? Des brindilles. Ah, c'est des brindilles. Je crois que c'était de la fibre, mais non, ce sont des brindillettes. Et bon. Pioche. On va l'équiper, elle s'est mise où la pioche? C'est ça. Je devrais peut-être commencer à m'organiser un peu. On va mettre les outils sur la deuxième ligne. C'est quoi ça? Une faux provisoire. Tranchant perforante. C'est mieux que mon épée ou pas? Ça performe mieux, hein. Au niveau de la perforation, on est pas mal, hein. Alors, la mine, la pioche, elle est où? Elle est là. On va piocher. Miner. Quoi? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé là au juste? D'accord. Et là, non. Il arrête pas de bouger. La moindre petite action que tu fasses, il bouge en avant. Je trouve ça un peu stressant. Eh, le caillou là, on se le fait là. Ah, au pire, je fais ça. Ok, si j'appuie... Si je garde appuyé, ça fait l'espèce de combo où je tourne. Si je garde pas appuyé, ça pioche normal, comme on les aime. Tu veux m'attaquer le loup ou t'es coincé dans le muret là? Tu veux être mon pote ou pas? Tu veux être mon pote le loup?
Ouais. Ouais. Oups. Non, mais j'ai ripé. Alors, est-ce que j'ai assez pour construire mon petit fur? Dans le doute, hein, tant qu'on est à côté. Plus vite! Plus vite! Là. Je devrais en avoir assez, là. Non, il faut que j'aille parler à mon... à mon bûcheron. Mon forgeron, d'ailleurs. Hey, forgeron, comment ça va? Est-ce que je peux construire mon four? Oui. Où est-ce qu'on va le mettre, ce truc-là? Elle est où l'entrée de ce four? Elle est là. Okay. On va mettre ça là à côté en attendant. RT. Elle est là, la petite entrée. Alors, fabriquer. Placer les objets dans notre inventaire pour les dispo. Fabriquer la construction. Ouais. Ouais. Pour créer du charbon, il faut des bûches et de la terre. D'accord. Comment je récupère de la terre? Ah bah j'en ai de la terre, dis donc. Ah bah c'est littéralement en faisant des trous dans le... Ok. Alors on va essayer, on va mettre les bûches. Déplacement rapide. C'est la terre que j'ai mise et on va mettre les bûches. Il en faut 17 pour commencer. Ça va, putain. C'est bon, quoi. Couper des arbres, c'est pas là. Mais quand même. Mais oui, mais dans ces jeux-là, tu sais pas vraiment des fois. Hein. Ah, c'est bon, quoi. Venez-y, j'ai l'impression que tu me juges un peu. Fabriquer. M'en faut encore. On va couper un gros arbre. Je coupe du bois. Ok. Faire les petites brindilles là quand même au cas où. Mais j'en viens de là-haut. Ouais non. Putain, il y a des ruines là, j'ai pas été visité. Mais non, mais si, c'est que j'en viens. Bah si, ça fabrique là, c'est bon. Qu'est-ce que ça m'emmerde? Voilà, roule. Naviguer dans les procédés. Ok, je peux choisir ce que je construis après dans ce four. Bon, c'est bon, je suis en train de construire du charbon en attendant. Qu'est-ce qu'il faut d'autre là pour ta forge, Benoît? De la ferraille. En vrai, je l'ai trouvé au hasard, la ferraille. J'allais fouiller un peu. On va aller fouiller un peu dans le village d'à côté. RB. Attends, je voudrais je peux réparer mon épée? Parce que mon épée, elle se répare. Et ouais, dis donc. On s'est pas trop attardé là-bas tout à l'heure. On peut peut-être trouver 2-3 bouts de ferraille là-dedans. Il y a encore un endroit plein de shrouds là. S'il y a plein de shrouds, ça veut dire qu'il y a peut-être plein de loot. De loot genre ultime. C'est comme ça que ça marche, non? Ah là-bas, il y a un coffre. Laisse-moi aller à mon coffre. Arrête de te protéger.
flèches en bois et des pansements. Là, moi, les gars, je voudrais de la ferraille en vrai. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Ouais, non, tu me parles de la flotte, toi, je t'ai lu tout à l'heure. Est-ce qu'on trouve de la ferraille? Mais viens, n'aie pas peur. Voilà. T'as vu ce qui est arrivé à ton pote? Eh ouais, je te passe derrière moi si tu pars. Je suis tellement un PGM en vrai. Mais y'a toujours pas de ferraille. Ah, il y a un trou. C'est quand même dégueu. Bouquin. Les jets bleus. Alors, les métiers à tisser de la brume. Les jets bleus ne dérivent plus aussi négligemment dans les airs. Quelque chose est en train de changer. Une nébuleuse coule vers nous. Jaillit de l'abîme comme un raz-de-marée. Ils appellent ça la brume. Elle transporte la maladie et la souffrance, modifie le sol et les gens. Je dois comprendre cette folie. Mais trouver un remède sera difficile avec les lignes de ravitaillement coupées par les soldats. Balthazar. Ce Balthazar, il écrit beaucoup quand même, hein. Je vais pas dire, mais à cause de Balthazar, je suis obligé de lire des trucs. Ah, il y a encore des vieux bouquins. Viens ici, coffre. Requiert crochet. Eh, hey, je peux pas construire un crochet? Tisana, je l'ai vu passer crochet. Faut de la ferraille. Toujours pas de ferraille. Alors que je règle le délire de musique, hein, parce que appuyer et appuyer à chaque fois. Il fait sombre là-dedans d'un coup. Lire. Tomber en ruine. Nous avons gardé espoir, creusant dans les décombres, nos lèvres murmurant des prières. Des prières des anciens, toujours un œil attentif à l'horizon. Même dans ce coin le plus reculé du monde, la brume menace de nous engloutir et d'étouffer toute lueur d'espoir. Alors que l'air s'épaississait de ce maudit brouillard, nous avons tenu bon. Alors que les incendies faisaient rage à l'horizon, la cendre tombant comme la neige sur le pic hurlant, nous avons poussé plus fort. Que cette maison longtemps conservée nous fasse entrer dans l'âge d'or. J'ai pas l'impression que ce soit bien passé pour lui en vrai. Ah si, oulala, si. Mais y a rien dedans en vrai. La porte a tenu. Oui, bon. Peut-être qu'il avait un beau stylo. Balthazar, ouais, c'est probable. Une belle plume. Onesia. Le jeu est sorti il y a 20 minutes. Où est-ce qu'on trouve de la ferraille? Ah, je suis passé là déjà. Il fait nuit, putain. Il fait nuit. J'en avais de la vieille ferraille, mais j'ai construit des clous avec. J'aurais peut-être pas dû. Ah, ma torche, elle commence à faire un peu la gueule là en vrai. Ouais, c'est pas grave, j'en ai d'autres de rechange, tu me diras. Et si je dors, ça fait passer le temps ou pas? C'est quoi qui brille là-bas? Y'a rien, bien sûr je comprends. Attends, y'a des trucs là-bas. Quoi ça? Bah pourquoi t'es mort toi? C'est pas moi qui l'ai tué!
Ah, c'est bien des bouts de ferraille, pourquoi ils veulent pas... J'ai trouvé là. Pas mal de morts, de bestioles mortes en vrai. Un truc là-haut. Grimpe, Benoît, grimpe. Bûche. Ficelle. Ah où je vais. Flèche. Mais j'ai pas d'arc. Qu'est-ce qui brille ça? Ah, c'est des trucs pour s'agripper, ça, ok. Un gouffre dangereux, vous aurez besoin d'un grappin pour traverser. Mais c'est pas un gouffre dangereux, c'est. Ouais. Ah si, en face là. En vrai, ça se tente autrement, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a moyen de moyenner. Bouge pas, bouge pas. Regarde ça, regarde ça. Le wiki est vide, ouais. Regarde le gouffre dangereux. Ouais, mais je l'ai pas le grappin, mais c'est pas grave, regarde. Ah, il fallait le grappin pour aller là. J'ai pas besoin. Comment péter la continuité d'un game? Bonjour. Quoi ça? Et les mecs... Oh, c'est des grenades, ça! Faudra retenter. Faudra retenter les grenades. Hein. Ça s'est tellement bien passé la première fois. Un vieil os. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plein de trucs qui explosent, apparemment. Vieux bouquin. Encore des vieux bouquins. Une vieille assiette. Utiliser une petite terraformation des explosifs pour créer un chemin à travers les gravats. Ah, d'accord. Il y a un étage à ce merdier, ouais, j'ai vu là-bas. Qu'est-ce que t'en penses, Onésia, du coup, du game là, tout de suite? Lire. Attention à cette garnison, cargaison. Argon. Faites attention avec cette nouvelle cargaison en provenance de la vallée. Le marchand a dit qu'elle était très volatile. Apparemment, les explosifs explosent. Si on les bouscule, qui l'eût cru? Quoi qu'il en soit, j'ai payé une belle somme pour ça. Ne fais pas n'importe quoi ici. Je ne peux pas me permettre de réparer un autre trou dans le mur. Celui-là? Oula là. Potion de soin, oui. Y, démolien. J'ai pas besoin de tout péter. Non, là j'ai jeté ma torche. J'ai tellement de greux là tout de suite. Je n'ai toujours pas vieux métal. Et le vieux métal, je l'ai trouvé de l'autre côté, hein, très clair. Enfin, sur des humanoïdes, pas sur les vieux moisis là. Mon épée, elle va casser là. Il y a moyen de porter ça? Ah, y a pas moyen. Je sais les explosifs, mais j'ai pas d'arc à flèche là. Je suis pas censé être là surtout aussi. Ça
Ça, c'est juste des vieux moisis, c'est pas des humanoïdes comme tout à l'heure. Est-ce que je peux m'y re-TP de l'autre côté? Ma map, elle est où? Pourquoi ça m'indique? Crypte des anciens forgerons, est-ce que je peux m'y TP, mettre un marqueur? Non. C'est vraiment aux flammes hein, que... Ouais, ok, ok. C'est quoi ça là-bas? Alors, j'étais censé arriver de par là. Ouais. Et là, il y avait quoi? Là, il y avait un coffre. Flèche en bois. Les dégâts de chute, ils sont violents ou pas? Bah non, ça va, on est large. Et j'ai retourné ma petite bazounette. J'ai l'impression d'être coincé pour rien là. Je pense que je vais relire les menus, je vais regarder tout ça. À mon avis, je dois pouvoir construire du vieux métal ou quelque chose comme ça. J'ai juste pas trouvé où. J'habite là-bas, hein. Non, j'habite là-bas. Pourtant, ça m'indique quelque chose à 140 mètres par là. Zone protégée par la flamme. T'es toujours là, mon pote forgeron, ou pas? Ah, toujours là. Si je dors, ça fait passer le temps ou pas? J'ai pas l'impression, hein, juste je glande. Il n'y a pas de chaleur, pourtant il y a le petit truc là. Mon lit est trop loin. Mon lit est trop loin du petit truc de chaleur. Aïe. Aïe. La petite sieste là, pépouse. Yadana, pardon, mais moi j'avais pas vu dans la tribu, tu veux dire? Faut que j'aille le chercher, je crois. Il est à droite en sortant là. J'y vais là. On va manger une petite baie, tiens, regarde. Hop. Histoire que la vie remonte un peu. On va ranger ça. C'est quoi, on va aller se balader dans la. J'ai trouvé du stuff stylé là-bas. On va y aller, on va aller se balader. Et j'ai une épée qui pète un peu quand même là. Attends, si ça n'irait pas. Je crois que cette épée-là... Tranchant perforant. Ouais, elle est mieux que l'autre. Hein. Ouais. Après, feu, glace, brume, choc. Je sais pas trop ce que ça veut dire encore. Alors, c'est plus efficace contre les trucs de la brume. Donc, ce serait peut-être mieux que je garde celle-là pour l'instant. Celle-là, elle tranche bien. Hein. Celle-là, est-ce qu'elle tranche mieux? Elle tranche pas mieux, en vrai. Hein. En vrai, l'épée que j'ai trouvée, elle est carrément mieux. Pourquoi j'ai mes brindilles, là? Bon, je reviens. Je vais voir ce que c'est que ce point, là-bas. Je crois que ça va être en contrebas. Hein. Pour un peu comme un demeuré, on va pas se le cacher. Ouais, c'est en bas. Hein. On va prendre le chemin qui est là. C'est un chemin ça ou c'est juste moi qui me fais des idées? Non, c'est juste moi qui me fais des idées. Hein. Vas-y, on sort des sentiers battus un peu, c'est l'aventure ou pas? Déjà, on y va de jour, on voit mieux. C'est des vieux cailloux. Hein. C'est quoi ça? De la brume liquide.
Il y en a plein, il y en a plein. Toi, je t'ai vu. Là, il y a des ruines. Viens ici, viens ici, viens ici. Combien vous êtes ? En brochette, les gars. Oh, pas mal, pas mal. Je suis assez fier de moi. Couillé. Mais ils ont que des vieilles locks. Bouclier. Eh. Hey. Attendez, j'ai gagné un bouclier. Comment je l'équipe, le bouclier ? Où est-ce que je l'équipe, le bouclier ? Bouclier. Oh. Ça se loot, ça ? Brume liquide, encore. Là, on a un vieux trou. Et rien d'autre, ici. Ok. Se dépêcher d'aller là à 40 mètres. Il me reste que 3 minutes. 9, 8, 7. Emplacement sinus. Putain, mais c'est loin! Lieu atteint. Bah, j'ai pas vraiment l'impression là. Je vais crever en vrai. Ça m'avait parlé de flotte à un moment. Qu'est-ce qui se passe si je bois de l'eau? J'ai plus soif. Ouais, je pense. Attends, c'est sur ma barre. RB. Bois de l'eau? Endurance maximale augmentée. Ouais, mais ça... Ça ne m'aide pas vraiment. Puis de l'élixir. Où ça? Aïe! Qui c'est qui m'a mis une flèche dans l'oignon là? Je me barre d'ici en vrai. Faut que je sorte de la brume. C'est une super mauvaise idée. Avertissement, je sais. Attends, il y a un coffre aussi. Courir un peu plus vite, ouais, ce serait pas mal. On se presse un peu. Je remonte, faut que je reprenne de la hauteur. Putain, mais c'est encore loin! Là-haut, là-haut, là-haut. Ok. Respire, Benoît, respire. Tout va bien. Tout va bien. Pain de vide. Pain de pleine. C'est important de boire. Alors... Il y a des mecs qui me jettent des flèches. Non, j'ai fait une roulade là. Je voulais voir s'il n'y a pas moyen de... Rebonjour Arcadio, comment ça reva? Et du coup, mon bouclier, comment je le brandis? Ok. Voilà. Il y a des petites ruines là, juste à l'entrée. Avec un peu de chance, vous allez voir du... J'ai pas tout fouillé. J'ai suivi le chemin, mais là, je crois qu'il y a les ruines. Non, je les ai faites en vrai. Là, je fais zéro dégâts, c'est bien. La vieille caillasse du vieux métal. Et ben ça reva bien.
fumer lui. Et ça reira encore mieux quand j'aurai trouvé du vieux métal. T'as mangé quoi dans ton goûter ? Des runes aussi. Ça, des runes, j'en ai. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'en ai. Hein. Mon épée, elle va lâcher, là, en vrai. Un vieil os. Un vieux truc qui fait du bruit. Encore un vieil os. Bon, on va aller de l'autre côté, hein. Écoute, tant qu'on est là. Il est où le pont? Il est là. Le chemin est là. Let's go. Il me faut une armure mieux. Il me faut une armure mieux. Ils m'ont pris une ils m'ont mis une flèche. Regarde la vie qu'ils m'ont retiré, les mecs. Ah non mais c'est pas juste un café et des gâteaux. C'est un goûter. Quel gâteau? Tu vois ce que je veux dire? C'est à part ouais, c'est juste un petit café et juste des gâteaux, mais ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit événement. C'est important le goûter. C'est vrai que je trouve un établi. Il y avait un établi dans le coin de là où j'étais tout à l'heure, non? Ok, là je suis retourné là où j'avais commencé à trouver les petits bouts de métal. On va fouiller un peu plus la zone. Et je crois qu'il y avait quelque chose pour réparer mon stuff là, oui. Très bien. J'apprécie énormément ce qui se passe. Voilà, mon épée est en bon état. Des petits princes. Mais voilà. Voilà. Kawa petit prince. Bah t'es bien. Et un truc là-haut. Comment est-ce que je monte là-haut? Non, je ne rentre pas là-dedans. Ah bah il y a une échelle juste. Ok, il va y avoir pas mal de ressources là, on va voir. Lire. Eureka. Par les anciens, j'ai réussi. Équilibre. Le sujet d'or n'est peut-être réveillé. Il est mort, mais vivant. Le sujet ne se décompose pas, c'est une bonne chose. Et il n'est pas touché par le flux grossier du temps. L'âme d'une flamme dans un corps mortel. Igni en est la preuve. C'était le rat, ça. Nous pouvons survivre. Nous pouvons supporter. Ces capsules de cendres sont le seul... sont notre seule chance au milieu de la brume. Nous n'avons pas d'autre choix. Balthazar. Des greux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, de la ferraille, parfait. Ferraille. Non, ça c'est le... Impeccable. Impeccable. Donc c'est bien dans cette zone-là, en fait. Il y a une progression... une progression des ressources. Qu'est-ce que je peux casser d'autre? Merci. Ah, encore de la ferraille. Là, il y a un vieux trou. Là, il y a un autre vieux trou. Et à l'intérieur même de l'édifice, il y avait des trucs ou pas? Crypte des anciens. Bonjour.
Ça là, ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai pété sans faire exprès. Attends une minute, il y a de la lumière là. Ah! Oh oh oh! Ok, un crochet. Crochet. Bon, ça m'a coûté deux ferrailles, merde. Une masse magistrale. Je prends. On va fermer comme ça. Les gens, ils sauront pas qu'il y avait un passage secret. Le coffre bien caché, ouais. Et j'ai l'œil. Ça, ça se casse ou pas? Ça m'a l'air fortement métallisé. C'est con parce que je pense vraiment que c'est ça que je devrais casser pour récupérer du métal, mais à coup de 1 point par 1 point, on n'est pas rendu. Des années de gaming derrière moi. J'ai l'œil du gamer. Bon, je pense qu'on a fait le tour là. Attendez une minute, j'ai vu des petites ruines là-bas. Ouais, une petite tourelle, une petite construction de bouée. Pourquoi ça fait la musique? Je sais pas si c'est la musique de combat ou pas. Méfiez-vous! T'as pas été assez rapide. Méfiez-vous. La forêt dans la brume, là. Cette roue est bloquée. Un grappin est nécessaire pour traverser. Ouais, attends. Laisse-moi être le juge de ça, parce que tu m'as dit la même chose tout à l'heure et j'ai quand même réussi à monter. Il y a une collision, ce truc-là? Non, il n'a pas de collision. Vous avez de la chance. Mais c'est... Grappin. Bouclier. Construire un vieux bouclier en bois, mais j'ai pas besoin, t'as vu. Je pourrais me construire un arc, hein, j'ai des flèches. Construire une baguette. Une baguette de glace, apparemment. Faire des attaques de glace. Non. Non, là je suis en solo, mais tu peux avoir des serveurs jusqu'à 16 joueurs en simultané. Des serveurs de 16 joueurs. Un peu comme Valheim. Et pareil, soit il y a quelqu'un qui héberge le serveur, et à ce moment-là, quand il n'est pas en train de jouer, bah tu peux pas jouer. Soit... Attends, je me bats contre des guêpes. Soit tu payes un hébergeur, genre Nitrado ou des sites comme ça, et tu héberges ton serveur pour qu'il soit up en permanence. Et je crois que tu peux d'ores et déjà l'héberger. Ils ont veillé à ce que tu puisses héberger ton serveur Day One. La terre est riche en minéraux, exploitez les... Elle est où ma pioche? Je peux piocher. Certains minéraux ne peuvent plutôt que dans la brume. C'est bien ma pioche. Ah non, ma pioche elle est là, je suis con. Des pierres de silex. Oh, j'aime bien comment c'est fait. Salut les gamers, si vous voulez une casquette... Ça c'est la règle numéro 1, Arcadio. C'est la règle numéro 1. Il y a toujours quelque chose derrière la cascade, je suis tout à fait d'accord. Et la règle numéro 2, c'est qu'il y a aussi probablement quelque chose sous le pont. Ouais, je suis un peu fatigué là.
Exploitation minière. Il y a de l'XP sur le côté, je comprends pas trop. Bon, un coup de flotte, bon, un coup de flotte. Ah là, ça va mieux, ça va mieux. Mange une petite viande grillée là. Là, ça, ça m'a revu de la vie immédiatement. Et du coup, je suis bien nourri, mais qu'est-ce qui se passe du coup? Mange un petit champi grillé aussi. J'ai aucune idée de ce que je fais en vrai. Bon, bah voilà, j'ai récupéré du silex, au moins on sait comment ça marche. Alors, là il y a de la brume. Là. Je suis monté dessus. Là on n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette. C'est quoi ça? C'est un vieux lac? Qu'est-ce qui se passe si je coupe ça? Ma hache peut-être? Oui. Est-ce que j'ai récupéré de la brume liquide encore? Okay. Oh, je t'ai entendu, loup, je t'ai entendu, mon petit pote. Non, mais. Ok, bon, j'ai un peu de métal, je suis pas sûr d'en avoir assez, je me rappelle plus combien il en fallait. Faudrait que je trouve des structures. Bah écoute, on va aller là-bas. On va pas aller là-bas. Ouais, peut-être moyen. Peut-être moyen. Bouge pas, il y a moyen. Non, non, non. T'inquiète, t'inquiète, je vais y arriver, je vais y arriver. Hop là! Me laissez pas dans un monde ouvert avec des restrictions de terrain, sinon je vais passer outre. Ah ça, il y en a une encore plus près là. Si, j'ai fait Red Dead Redemption 2. Je t'ai vu, loulou. Oh, ils sont level 3. Oh, ils sont level 3. Oh, ils font mal. Il est où l'autre? C'est bon. Ouh. La viande de loup cru. Ça serait bien que ma vie elle remonte là. Il y a une maisonnette là en bas. Alors la tour noire qui fait peur avec pas toute ma vie ou la petite maisonnette pépouze en contrebas. Ah mais elle est bien bien en contrebas par contre. On aime le risque. Ah fumier bah bon bah. Attends parce que je voudrais que ma vie remonte quand même. Journal. Quête 3, la flamme artisanat atelier. J'ai toujours deux points de coupe. C'est quoi? Je vais mettre un point quelque part là-dedans. Bien reposé, non? Non. Sauveur. J'avais besoin que de 3 secondes au lieu de 6 pour ressusciter un allié. Je joue tout seul. Augmente votre dextérité. Faire ça. On va faire ça aussi. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire à la base. J'ai encore été distrait, personnage. Et où est-ce que je vois mes buffs quelque part? Voilà, détail du statut.
Non. Détail du statut, voilà. Plus de intelligence, plus de constitution. Et je peux pas les virer parce que là, je peux plus prendre de bouffe en fait. J'ai pas de la bouffe, genre normal. J'ai tout mangé déjà. Sac à dos. Non, ça c'est de la cire. Ça c'est quoi? Plus un intelligent, c'est pas ça. Plus deux forces. Je peux le manger quand même. C'est quoi, tant pis. Ouais, bah, je sais bien, ouais, ouais. Complètement, ouais. Avec mon épée courte rouillée, moitié cassée là. J'entends bien mon petit battement de cœur en plus. Mais j'y vais à l'aventure, mais voilà, j'y vais pas de façon rassurée. Ah mon pote Bouquetin. Mon pote, je sais. Il va y avoir un gros puits ou un trou, un truc comme ça, je vais pas pouvoir y aller. Ah, il y a des loups! Je vais crever, j'ai perdu tout mon matos. Oh, quel dommage, je peux pas y aller. Allez, c'est pas grave, on va faire demi-tour. Il y a un mec qui est mort. Ah, c'est dommage. Ah là là. Je me faisais tellement une joie. On va essayer de trouver la petite maisonnette pépouze là en contrebas. C'est pas grave. L'écran rouge, ça vous plaît? Moi, j'aime bien, ça donne un petit style. Voilà, la petite maisonnette, là. Bon, par là, c'est beaucoup trop abrupt. Ah ouais, là, c'est le décès, là. Ouais, ouais. Et par là... C'est là où j'ai fait nappe. C'est des filous, hein. Je peux vraiment pas y aller, hein. J'avais tellement envie d'y aller en plus, mais ouais. T'excuse pas, Freedom, ça passera. On a l'habitude maintenant. Bon, on va se retéper au camp. Et on va essayer de construire un grappin. Il est où mon camp? Il est là. Maison niveau 1. Ouais, bah, ça va. Voyage rapide. Oh, le game, il juge ma maison. Elle est très bien, ma maison. Tu m'emmerdes. Alors, on va se reposer un peu. Adore. Est-ce que ça remonte ma vie? Pas du tout. J'aime bien. C'est toi le karma, Freedom, en vrai. Alors. Bah attends, ouais. Ça se soigne, hein. Putain, j'étais pas loin de... Ranger. On va ranger ma masse magistrale. C'est quoi ça, de la résine? On a récupéré pas mal de ferraille. C'est mon vieux futal. Je peux pas genre... Jette-le. Ok, Benoît. Est-ce que j'ai de quoi construire la forge? Ah non, il me faut 10 ferrailles. Bon, alors attends. Armes, armure, décoration. Tous les objets améliorables, c'est ça qu'elle doit être ici. Ok, on améliore des trucs avec des runes, ok. Moi, je veux de la vieille ferraille.
Tu sers à rien. Ok, est-ce que je peux manger une petite baie maintenant? Voilà, ça remonte un peu ma vie là. Sinon, tant pis, on va voir. Le grappin, qu'est-ce qu'il me faut pour un grappin? Ou un planeur? Bois, fourrure, ficelles. Ça, j'ai ce qu'il faut ça pour ça. Ah non, bois de brume, j'ai pas. Pour le crush, pour le grappin, j'ai ce qu'il faut aussi. Ok, mais par contre, il faut que ce soit dans mon inventaire. Ça, c'est... Ça l'avait fait rail, popopo. Mais j'avoue, c'était pas ouf, pardon. Je t'en veux pas, Freedom. Je t'en veux pas. On peut pas être tous, tu vois, on peut pas être tous à fond tout le temps. Alors, on peut pas être tous comme moi, en fait. On récupère toutes mes merdouilles, là. Voilà. Qu'est-ce que je peux construire avec tout mon merdier, là? Alors, il me faut du bois de brume pour ça et un crochet de grappin. Et juste le crochet, ça suffit ou il me faut de la corde après? Et la ficelle, je peux. On va construire un crochet de grappin déjà. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Diablo Seto, merci pour le follow, écoute, ça fait plaisir, c'est cool. Due to unusual activity. Ouais, d'accord, le spam. Hop, bloquer le numéro. Delete la conversation, merci. Pardon. J'avais lu la preview du message et le nom de ma banque. Ah, c'est bizarre. Et en fait, non. C'est bon, j'ai construit un grappin. Alors, sac à dos, non, personnage. Je peux équiper mon grappin maintenant. Un outil solide qui peut aider à franchir le bon gouffre. Venez-y, j'ai le grappin. C'est cool ou pas? En vrai, j'en sais rien, ma vie elle veut pas remonter. C'est pas mal aussi. Beaucoup de subtilités que je comprends pas encore dans le jeu. J'ai pas de la viande de loup à faire cuire. Voilà, on va faire cuire un petit steak de loup là. On est pas mal. J'ai du charbon aussi maintenant. Eh, tu m'emmerdes, toi. Tu m'emmerdes, moustache. Laisse-moi prendre mon temps. Matériaux insuffisants. Ouais, non, mais je voudrais voir ce que t'as construit déjà, Benoît. Ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe si... Est-ce que ça me... Non, je voudrais le... prendre la pile. Merci. Acide de bois plus un autre pour un charbon. Procédé à prix, ok. Il fait noir là-dedans. Hein. Moi, ça me chagrine un peu que si je me pieute, ça considère plus que je suis assez chaleureux. On appelle ça la nuit, mec. Mais oui, mais la nuit, c'est chiant. Je regrette, la nuit, c'est chiant. Sur l'échafaudage, non, ça, on s'en fout. Table, foyer. Éclairage, on va se faire un petit... faire une petite bougie. J'ai pas vu un meuble qui sert strictement à rien aussi. Voilà. Non, c'est pas là. C'est pas pratique. L'inventaire est pas pratique. Je vous le cache pas. Ça. On va le mettre là. Quoi ça? Élixir. On va éviter de le boire sans faire exprès, ça, parce qu'à mon avis, ça va me sauver la mise à un moment. Les gros, on va les mettre là. Okay. Petite table de nuit. Avec une petite bougie. C'est pas beau ça, madame? C'est pas beau ça, madame? Oh non, reviens pas sur le débat du crépuscule. Hein. Hashtag j'étais là. Ouais, pas ce débat, je le savais, je l'ai vu arriver à des kilomètres.
Et pourtant, t'as toujours pas compris. Bon, est-ce que si je suis pas trop débile, on part du principe que du bois de brume, c'est ce qui se trouve dans la brume. Du coup, si je vais couper un arbre dans la brume là-bas, s'il y a un arbre dans la brume, est-ce que ça va me filer du bois genre brumeux ? Ça ? Non, ça c'est pas, c'est pas du bois brumeux. Ça c'est des champis. Non, ça marche pas non plus. Ça, ces trucs là peut-être. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu de l'eau. Ça c'est revenu. J'en conviens que la découverte ce soit stylée, mais donnez-moi des petits indices quand même quand vous voyez galérer comme ça. Je game. Bande de développeurs. Avec mon petit cabanon là. Il est pas beau mon petit cabanon en vrai? Moi j'aime bien. Ben non, ouais, du coup, moi, je suis perturbé. Comment je fais, ça, les cœurs de brume? On va voir. Parce que, malgré tout, ça me file des quêtes que je ne lis pas. Le problème, il est là aussi. Voilà. Le foyer a besoin... Le forgeron a besoin d'un atelier. Ouais. Construire un magasin pour le forgeron. Une fois le marteau construit... Ok. Planeur. Pour vie, n'oubliez pas de respirer. Emplacement, vous voyez ça, d'accord. Forgeron a besoin d'un atelier. Mais c'est genre juste, je lui construis un petit cabanon et il est content. Si c'est ça, je le fais. Hein. Fais pas peur. On va lui faire un petit cabanon, il va arrêter de nous faire chier. Récupérer ça. Non, comme ça. Voilà. Alors, faut que je sorte mon marteau. On va le mettre à côté là. On va relier ça. C'est comment déjà LT. Et je voudrais un sol. Elle est où la fin de ma maison, là? Ça plane, là, un peu, non? C'est pas grave. Voilà, on va lui faire juste un petit... 4. Je vois ce que je vais faire. Ok. Faire ça là. Tu veux pas me le mettre là? Tu veux me le mettre là? Bon. Hop. RT, on tourne. Ça va, je commence à comprendre. Hop. Et maintenant, le touet. Un petit touet, calme-toi. Ou même pas, on peut juste peut-être... Non, bah c'est ici, parce que... Appuie sur X pour continuer, fils de poulpe. Oui. Albator. Il n'y a pas moins pentu que ça. Ça compte comme du toit, ça. On va juste lui faire un petit truc comme ça. Ça peut être joli. Ça passe. Ça, j'ai l'impression que ça passe en vrai. Vas-y, let's go. On va partir là-dessus, on va voir ce que ça donne.
Ah, j'ai plus assez de matériaux. Bien sûr, je comprends. Un petit oui. Bon, Benoît... Non, mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait disparaître celui-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est lui. Voilà. Ça te plaît, ça, gamin? Maintenant, faut que je te TP dedans. Si je te mets à l'intérieur, faut que j'ai... Attends, bouge pas, je vais récupérer ma baguette pour faire apparaître des mecs. Bouge pas, moustache, je te TP. Parce que je suppose que tu vas pas pouvoir t'y déplacer tout seul. Hein, ça valait le coup, hein? Ça valait le coup de me faire aller chercher ma baguette, non? Ok, ça m'a validé que le forgeron avait besoin d'un atelier. Voilà, il est content maintenant. Il a son petit truc en plein air. De toute façon, il a pas de t-shirt, donc je pense pas qu'il ait vraiment besoin de... Non, 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 si, c'est logique ce que je dis. Alors, la suite. Qu'est-ce que ça me demande? Et c'est tout. C'est tout ce que ça me demandait. Alors, fabrication d'un planeur. Vous pouvez obtenir un bois brume en vous aventurant sous brume, sans déconner. Attention à ne pas consommer endurance lorsque vous utilisez planeur. Oh, je me fais bully! Attention à ne pas consommer endurance lorsque vous utilisez planeur. Pour atteindre le nouveau. Sinon, faut que j'aille nettoyer ça. Ah, j'ai les recettes là sans avoir à me déplacer. Ça, c'est bien. Il me faut 10 ferrailles. Hein. Il me faut 10 ferrailles. Ah, mais attendez! Vas-y, va faire de la ficelle, Benoît. Artisanat, ficelle. Fais toute la ficelle. Eh, Benoît, tu veux pas me faire un petit pantalon en cuir? En fait, j'ai pris Prime Vidéo. On est censé faire un truc sub gratuit, j'arrive pas à l'activer. Faut que t'ailles voir dans les options de Twitch. Est-ce que je me suis fait un petit pantalon, il est moins loqueteux. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez! Hein? C'est classe ou pas? Y a pas besoin de... Merci Beowulf! Merci pour le sub mon grand, ça fait plaisir! 2 mois de suite en plus hein! Aïe 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 aïe! Merci. Tu comptes y jouer peut-être Beowulf? Parce que t'avais passé pas mal de temps sur Moria si je me rappelle bien. Il est pas spécialement cher en plus. Hein. Il est à, pour là, en ce moment, il est à 27 balles. Il est sorti il y a... bah, c'est pas compliqué, ça fait combien de temps que je stream? Il est sorti il y a 2h50. Il est sorti il y a 2h50. Et j'ai une petite maisonnette, mon pote. Pas mécontent. Je suis pas mécontent. Anienka, elle est tellement jalouse. Là. Elle aimerait tellement game là tout de suite. Le temps qu'elle a passé sur Valheim, ce jeu-là... Ah ouais, mais ça... Qu'est-ce qui se passe, mais...
Mercadio. Merci pour le sub. Allez-y les gars, lâchez-vous. Oh, il y a un uptrend qui arrive bientôt. Oh, c'est bien. Merci mon bon Arcadio. Merci Beowulf, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'es en train de programmer, faut que tu peaufines. Alors, faut savoir qu'Anika a un peu de latence là où elle est. Donc c'est pour ça, le taggle là, c'est parce que... que je lui ai dit qu'elle voulait jouer. Par contre, ma construction, elle est un peu moisie. Là. Bon, lui, il est content. Hein. Il est content. Les émotes, oui. Oui, t'as les émotes. Mais c'est un peu de la merde, là, la construction. On va pas se le cacher. Hein. J'aurais pu faire mieux. Écoute, il est content. Oh, c'est pas vrai! Allez, on fait le train de la hype ou quoi? Oh non, le train de la hype! Oh ouais! Merci à tous. Il y a des émotes ou pas? Je peux le faire danser mon bonhomme? Ça te plaît? C'est Eminem sur le thème du train. Ça va trop bien ou pas? Je vois Monsieur Jackson de la Blue 2. Ah, merci Alinka pour les 100 bits. Merci Arcadio pour les 50 bits. Bande de foufou, calmez-vous. Calmez-vous. C'est pas croyable ça. Je sais pas quoi, je sais plus quoi faire du coup là. Faut que je réfléchisse à des trucs. Attendez. Attendez, je réfléchis. Oh non. Vive Monsieur Blue Jack, signé au nez. Signé au nez. Bien joué. Ok, mais vous avez fini, oui? Bon, il faut que je trouve du bois. Non, j'avais pas trouvé un coffre que je pouvais... Calme-toi, Emilem, calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Merci à tous, c'est vraiment cool. Si je pouvais vous confirmer que mon générique fonctionnait, mon générique de fin, je vous dirais bien que vous aurez votre nom au générique. Je suis pas sûr que le générique fonctionne. Alors que normalement, vous devriez avoir votre nom à la fin du générique. T'as plus d'argent, Freedom? Aïe, 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 Freedom. Mais c'est pas grave, Freedom. Ton cœur y est. Ton cœur y est, Freedom, je sais que... Et ça, ça compte. Ça compte tout autant que le reste, mec. Ça compte tout autant que le reste. Il y avait un coffre fermé là-bas, non? Que j'ai pas pu ouvrir, mais maintenant j'ai des crochets. J'ai plus de crochets, je me suis servi de mon crochet. On va essayer d'utiliser mon grappin. Il est où le pont? Il est où le pont? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la part de Freedom. De Freedom. Merci Onesia de la part de Freedom. Merci pour les 100 bits, c'est cool. Un cookie de réconfort pour de la part d'Arcadio. Attends, dégage. J'ai pas mon épée. Voilà. Merci Arcadio pour les bits. Ah ouais, non, c'est une petite tenue, des fibres. Il me faut des fibres pour faire de la ficelle, pour finir de crafter ma tenue en peau. Parce que j'ai plein de peau. On va y arriver. On va y arriver. Non, ça c'est des violettes. Il n'y a plus de... Putain, mais à force j'ai récupéré tous les trucs. Ça repousse à un moment ou pas? Oui, je crois que j'avais entendu les devs dire ça. Que les ressources poussées... En fait, certaines parties du monde se reset si elles ne sont pas autour d'un... Bah, autour du feu là que j'ai construit. Du coup, c'est pas mal. Est-ce que je peux construire encore un peu de curd? J'en ai 5 curd là, c'est pas assez, il m'en faut plus. Construis de la ficelle. Construis de la ficelle, mon but dans la vie c'est de construire de la ficelle. Tu veux pas me construire un haut? Armure.
Il me manque quoi? Il manque de la ferraille pour ça? Oh mais ouais, bon bah je vais construire les chiassures, hein, mais... Mon but dans la vie c'est de construire de la ficelle, oui. Tout à fait. Voilà, j'ai plus de 3 mégodasses déjà, je me suis fait des petites hugues là. Vous voyez bien la petite fourrure qui dépasse, je suis tellement bien dedans, je suis à l'aise et tout. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Allez, on va ranger un peu, vider mes poches, parce que là du coup j'ai récupéré plein de trucs pour faire de la construction. On va ranger tout ça. On va partir inventaire vide. On va garder le petit champi quand même, parce que voilà. Et on va essayer d'aller, avec tous ces fichiers, tu pourrais aller jusqu'au sommet de la grosse tour si facile. Vous avez envie que j'y aille. Attendez, je veux tester mon grappin. Pour ça, il faut que je retrouve le pont. Il est là-bas. Il est là-bas. On va y arriver. Ça là tout à l'heure ça m'a dit oh, c'est con ouais, t'as pas de grappin passe par la brume. Non, maintenant j'ai un grappin, je compte bien m'en servir. Et puis là-bas aussi, là-bas je peux y aller légit maintenant. Alors comment ça marche le grappin? Il faut que, est-ce que j'ai une interaction Y? C'est pas mal ça. Merde, je peux pas passer de l'autre côté par contre. Y'a pas de... Y'a pas de grappin de l'autre côté. C'est ballot. C'est quand même ballot ma situation là tout de suite. Bon bah, on va par là. Hein. Ramasser ficelles et bouts de bois. Non, moi, je veux de la ferraille, les gars. Je veux... Oula, oula. Ah, des petits bouts de ficelle. Vous voyez, je vous avais dit qu'il fallait aller par là. Y fouillé. Et des greux. Pas de fouiller, toi? Non. Je peux pas. Oui. Ah oh ouais. Il y a un mec là-bas. Là-bas, il y a des pièges. Il y a des pièges et il y a un mec. Attendez, je vais essayer de lui envoyer une greu. Ça s'est super bien passé la première fois que j'ai essayé d'envoyer une greu. Inefficace, ouais bah ça marche quand même hein. C'est pas mal les greux en vrai. Je peux te fouiller ou pas Benoît? Pérail. Pérail, ok. Continuons. Il se trempette mais rien ne se passe, oui c'est à peu près ça. Je suis allé par là tout à l'heure. On va suivre ce chemin là. J'ai des baskets qui courent vite maintenant, ça va aller. On va pouvoir ouvrir ça maintenant que j'ai un grappin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette route est bloquée, un grappin est nécessaire pour traverser. T'inquiète, regarde. L'araignée, l'araignée. Y'a un mec là-bas, j'ai pas d'arc à flèche. C'est moi que t'as visé là, fumier? Essaye encore, j'ai pas peur. Hop là, t'as vu ça? Tu veux une greu? En vrai... Comment? Non, 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 remonte, remonte, remonte!
Menace à proximité. Bah je sais, ouais, je l'ai vu. Il sort de là, sort. Petite grue, petite grue, petite grue. Oh, il fait mal, oh, il fait mal. Oh, il est mort. Ferraille. Il y en avait un autre là-haut. Il y en avait un autre là-haut. Elle est où là? Ok, 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 on progresse là. Ferraille, élixir. On va manger une petite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va looter un peu maintenant. Et là, on peut pas ouvrir la porte du coup maintenant. Les vieilles guenilles, je récupère. Ouh! Baguette crépitante. Bien sûr, je prends. Imaginez ceci. Tu repères des piliers de pierre enfoncés à l'horizon, masqués par des monticules de terre. Ils s'étirent vers le ciel comme les os des doigts d'un titan. La marque d'un tombeau caché. Les escaliers à l'intérieur s'enfoncent dans l'obscurité. Torche à la main, tu te laisses glisser dans l'incertitude, dans l'effroi. Pourtant, ta recherche te pousse à aller plus loin. Un trésor morbide t'appelle. Laissé à l'abandon dans la poussière. S'agit-il de bijoux de famille? D'un héritage venu d'un pays lointain? Quoi qu'il en soit, mon ami, ce sera la base de notre empire, la pierre angulaire d'une forteresse bâtie sur le sang versé. Ça te convient? Je connais l'emplacement approximatif. Si tu t'occupes des recherches, Gerrit, je partagerai la marchandise. Marché conclu? Mais non, c'est pas forcément des titans, genre des titans, tu vois, ça peut être... Dedans, tu vois, hein? Par contre, ils sont level 3 les bestiaux ici. Comment je level up? En vrai, comment je level up? Combien il me fallait de... Forge. Non, ça. Ok, j'ai toute la ferraille qu'il faut. Et j'ai le charbon et les bûches à la maison. Et juste à récupérer de la pierre. On va se retéper à la maison, hein, je regrette. On va faire des allers-retours là. Je sais que l'aventure, elle est là, elle appelle. Hein. Regarde. Vous entendez l'aventure ou pas? Non. On va retourner chez moi. À ma maison niveau 1. Je sais pas si c'est son nom officiel, mais c'est un peu nul. Bonjour. On va récupérer tout ce que je peux récupérer. Alors, j'ai la ferraille. Il me faut des cailloux, il m'en faut 30. Bois, probablement, il manque autre chose. Hein. Mais vu que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Charbon. Ouais, charbon évidemment. Va te nourrir, Onésia. Bon nourrissement. Je vais checker. Ok. Alors, est-ce que je peux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Il y a 45 moyens de construire des trucs ici. Je voudrais construire... Ah bah non, c'est à toi que je parle, je suppose. Construire une petite forge. Hop là. Bah c'est déjà pas mal. Il est jamais content lui. Hein. Il m'emmerde. Sac à dos. La forge. On va la mettre. Oh putain, j'ai encore ces trucs là. Faut que je les... aussi. Tiens, je te construis ta petite forge là.
Et je vais rattraper ton toit après parce que vraiment c'est miteux là. RT. Je peux te la mettre là, là, comme ça. Comme ça, t'es devant. Au pire, je te retéperai. Je te mets ça là. Tu fais pas le con avec, hein. Là. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc joli là, attends. Enfin, joli. Voilà, là, c'est... là ça paraît logique. J'y vais, mais. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il faut des feuilles de métal. Enfin, non, ça crée des feuilles de métal. Pourquoi? Bouclier. Ok, je peux construire un petit bouclier maintenant. Et. Oh. D'accord, ok, c'est pour le prochain plaçon, mais. J'ai déjà pas celui-là. Il me faut juste deux fourrures pour ça. Attends, les fourrures, elles sont peut-être dans mon coffre. Bouge pas, j'y vais, je reviens. Yes, j'ai des fourrures. Attends, tant que je suis là, on se débarrasse de ça. On se débarrasse de ça. On récupère ça. Tu peux pas me construire un petit t-shirt palo que te, s'il te plaît? Ensemble d'armure en fourrure, oui. Merci. Personnage. Là, les loulous, ça devient sérieux, là. Là. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Regardez ça. Et je vais me construire un arc à flèches, tiens. Établi. Non, c'est peut-être fabrication manuelle. J'étais pas obligé de... Voilà, bouclier. Qu'est-ce qu'il me faut? Arc. Il faut des brindilles et de la ficelle. Ficelle. Brindilles. Je suis retourné là, par réflexe, mais en vrai, j'en avais pas besoin. J'ai un arc à flèche maintenant. Impeccable, on s'est fait quelques flèches là. Pas mécontent de la faire. On va refaire un peu de ménage. Je ne connais toujours pas les conséquences de la mort. Stockage complet, merde. Et ça, jette ça là, et ça là. Jette aussi ça. C'est mes vieilles fringues ça, elles sentent un peu en plus. Ouais, je sais. Bon, faudrait, je pourrais peut-être me refaire un autre. Ouais, il va falloir que je me fasse un autre stockage, mais plus tard. Plus tard. Là, on va aller se balader un peu. Là, je me sens un peu plus en confiance déjà. On va. Attendez, je vais. Voilà. Faire un peu de. Et ça. Attends. Ça, on va le mettre là. J'ai toujours ça là. Peut-être mettre mes potions de soins là, parce qu'à mon avis, là où je vais, c'est mal barré. Et la viande de loup, ça me fait quoi? Plus 2 de constitution, vas-y, pendant 20 minutes. Mange. Merci. Ok. Allez, let's go, on retourne dans la brume. On va voir comment ça se passe. Et j'ai l'impression qu'on va y aller de nuit en plus. Évidemment. Ah, c'est par là hein, que je dirais. Le pont il est là, donc du coup le petit chemin il va par là après. Okay. J'ai mon petit bouclier pour éviter les flèches. J'ai mes flèches pour me venger. Je le sens bien. Je le sens pas trop mal.
m'en veux pas, Pimpin, je m'entraîne aux fléchettes. Par contre, c'est le bouton X pour tirer, je trouve ça bizarre. J'ai lâché une flèche sans faire exprès, je peux pas la récupérer. Il est où le Pimpin? Mais reviens, Pimpin, laisse-moi t'achever au moins. Putain, il s'est barré. Oh. Allez, go dans la brume. Go dans la brumax, comme diraient certains. Le Pimpin avait une famille. Oui, mais il est toujours vivant, le Pimpin. Il s'est barré. Non, justement, je veux pas rester sur le chemin. Ah, il fallait que je récupère du bois chelou aussi. C'est peut-être avec ça. On va faire juste un peu de découpe vite fait pour voir si c'est ça qui me donne du bois bizarre, là, du bois de brume. Non, j'ai pas l'impression, ça loote rien. Ça, j'en ai déjà coupé, ça me donne des... brume liquide. Non, ça me donne de la brume liquide, pas du bois de brume. Cet arbre mort, là, peut-être ? Qu'est-ce que ça me donne, ça ? Ok, du bois de brume. D'accord, donc voilà, c'est vraiment les souches. Les souches nullos. Vous avez vu cette dextérité de forgeronitude, de bûcheronitude d'ailleurs. Je suis sous la brume là, pourquoi je suis encore, ça me dit que je suis encore brumeux. Par contre j'ai perdu du temps avec mes conneries. Et donc c'est là-bas qu'il faut que j'aille, voilà, l'emplacement il est là-bas. Impeccable, j'ai perdu énormément de vie pour rien là, c'est super. Il y avait des mecs qui me fléchettent tout à l'heure ici. C'est quoi, on va speeder, on va rentrer là où ça me dit de rentrer. Ah, ils sont beaucoup là. S'il te plaît. Là, ils sont encore beaucoup. Loot-les, loot-les. Aïe. C'était quoi ça? Ok, il y en a un qui fuit. Mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Là-haut ? Point de sauvegarde remplisse votre temps maximum dans la brume. Ok, placez-vous plaît pour votre... Ok, ok, ok. Mon épée est naze, mais elle fait le taf. Et comment je nettoie les points de sauvegarde remplissent votre... Ok, donc ça c'est... Placez-vous près de ça. Je descends là. Putain, faut que je descende. Les gars, faut que je descende, faut que je m'infiltre. C'est profond ce merdier. Ah mais là les gars... Mais David, je devrais tellement pas être là. En plus ça me dit emplacement ci-dessus.
Entrer dans le lieu atteint, bah ouais. Je veux bien, mais je fais quoi maintenant ici? Ah! Joël Nika. Monstruosité déchue. Menace à proximité. Tiens, prends une greu. C'est quoi le compteur en haut? Mon compteur de panique en vrai. J'ai plus de greu. J'ai plus de greu. C'est le temps que je peux passer dans la brume. C'est bon, ça passe en vrai. Ça passe en vrai. Bon, j'ai plus de stamina, mais ça passe. Ça, je l'ai senti passer quand même. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, voilà. Hop là! Oh ouais! Et du coup, faut que je fasse quoi? Faut que je bute ça? La racine de brume est la source de notre malheur. Détruisez-la avec une hache d'abattage et prospérez. Cette guillotine, par exemple? Bon, apparemment, non. Ils veulent juste une hache nulle. Ouais, voilà, celle-là. C'est plus brumeux. J'ai fait un truc. J'ai accompli un truc. Et j'ai eu une pure hache en vrai. C'est quoi, c'est de la lave ça? Vaut mieux pas que je m'en approche. Hein, ouais. Mais je viens d'où? Je viens de là-bas. Yeah, j'ai accompli un truc, je suis tellement joyeuse. Alors, y a pas un peu de loot là qui traîne? Mais il vient de récupérer une hache légendaire. Y a pas un peu de loot quand même? Bien sûr que si, y a du loot les gars. Canal de guérison, charge de bâton niveau 5. J'ai récupéré une nouvelle ressource. Ça me lâche quoi ça? Des vieilles bûches, ouais d'accord. Eh non, c'est de la lave ça. Bon bah on remonte, on va aller parler à mon pote. Beauf de France. On va aller parler à mon pote forgeron. Je vais lui dire, eh c'est bon. Est-ce que toute la zone maintenant est libérée? Tant de questions, si peu de réponses. Puis de l'élixir. Eh, hey, je t'avais pas vu toi en rentrant. Arc du chasseur. Oh, il y a même du loot. Je savais pas qu'il y avait du loot dans le jeu. Il est où mon arc du chasseur? À la place de celui-là. Allez, ça, j'ai du loot stylé maintenant. C'est bien. C'est bien. C'est appréciable. Bon, par contre, je suis coincé. Mais, ah non, c'est là. Ah.
Ah non, ça a pas viré tout quand même. Mais ça en a viré un bon bout. Je ramasse. Je peux retourner chez moi maintenant ? Putain, il y a des mecs là. Merde, j'ai bu une potion sans faire exprès, putain. Ah mais gueule pas. Il est pas mal mon arc, hein. Ah. Je récupère des ressources aussi. Est-ce que je prends des risques pour rien là? Oui. Ne me répondez pas, oui. Je devrais me barrer là, immédiatement. Mais il y a l'appel du loot aussi, vous pouvez pas comprendre. J'ai vu un archer par là. Il a pas mal reculé quand même la brume. La brume a pas mal reculé quand même. Attends, il y a un archer là. Ça va, ça pique ? Ouais, presse-toi, presse-toi, comme ça c'est impeccable. À la bisou. Eh, raté! À moi! Bon, là, tu m'as eu à moi. Là, je sais plus viser, apparemment. Aïe, c'était quoi ça? Elles sont radiocommandées, tes flèches, vous avez vu? Et on va le looter. Ah, oh, il y en a un autre. J'ai entendu un cheval. Attends, il y a une petite caverne là-bas. On va essayer ma hache sur lui, là. Salade! Ouais, d'accord. Ouais, j'ai trouvé une petite caverne. J'y vais. Dans la brume mortelle. Ouais, non, peut-être pas dans la brume mortelle alors. Hein. Ah, peut-être pas aller dans la petite caverne tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Partez maintenant. Ouais, ben ça va, j'y vais. Voilà. Allez, on arrête les bêtises, on se TP. On va y arriver, c'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que tu me dis, Flamme? Val de Braise peuvent être récupérés. Collecte les étincelles et offre-les aux hôtels de la flamme pour renforcer le flamme. Les étincelles sont éparpillées dans le monde entier, dans les sanctuaires de la flamme et hôtels de la flamme. Maintenant, je peux améliorer mon hôtel. C'est fait. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant, le forgeron? T'as vu, Mash? Forgeron, t'as vu, Mash? Attends, bouge pas, je reviens, je vais réparer mon stuff avant d'oublier. Hop là. T'as vu, Mash? Forgeron, t'as vu, Mash? Elle est classe ou pas? J'ai vu que vous avez réussi à nettoyer ce puits élixir, à continuer comme ça. Ouais, c'est tout? Escalade d'un tour des anciens. La traduction FR, c'est pas ça. Val de Braise a changé. Avant notre époque, le peuple des anciens a construit des observatoires pour étudier le pays.
les tours des anciens. Il y en a un près d'ici. Allez-y et redécouvrez le monde. Nouvel emplacement cartographié. Ouais, mais c'est pas à côté ça, Benoît. Faut que je retraverse le pont. Et là, il y a encore une zone là. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Forger une arme. Ici? Pourquoi ici précisément? J'ai pas forgé une arme déjà, j'ai quoi comme quête? À la recherche des tombes cachées. Ok, ça c'est une quête secondaire. Ah, les quêtes secondaires, d'accord. Je construise mon planeur tout de suite. Ah, mais j'ai récupéré du bois. Armement et amélioration. Collecter des étincelles, bon, ça c'est... voilà. Est-ce que je peux craft le planeur maintenant? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le planeur? Non, c'est vous, ça va être là. Club, arc, flèche, arme magique, armure. Yo, mon planeur! Ma grosse hache. Là, planeur. Bois de brume, j'ai ce qu'il faut et je crois que j'ai la fourrure et la ficelle. Let's go, on va craft le planeur. Ah, est-ce que je vais avoir assez de fourrure? Yes. Cool. Appuyez sur A dans les airs pour ouvrir le planeur. Ouais. Va falloir que j'apprenne à m'en servir. Bon, on va peut-être se lancer plus haut déjà, tu me diras, mais... Bon, ok. Se reposer un peu. On a de la bouffe aussi, hein. De la bouffe. Non, putain, je me suis encore gouré de boutons. Alors. Ouais, bien joué. La petite maison pépouse en contrebas, là. On va aller faire ça, on va aller voir ça. Je l'avais zappé. Après, j'y avais été par des moyens, pas forcément par les bons moyens. J'étais passé par où? Là-bas, je crois que j'étais passé là. On avait dit quoi? On avait dit la tour chelou. Et ensuite, on avait dit non, pas la tour chelou, finalement, en bas. Donc, il faut que je traverse le pont. Ouais, ok, c'est là-bas. Parfait, attends. C'est pas... Ça descend à pic, hein, ce merdier. Ou alors, j'ai pas compris encore comment m'en servir pour remonter. Oui! Ouais, non, même si je touche à rien. Ouais, je crois que c'est en face, là-bas. Beau gosse, impeccable. Oui, je me balance. Ils sont revenus ou pas les méchants? Non, ils sont pas revenus. Du coup, j'étais passé là. Ça veut dire on va se promener. Non, c'était pas par là. Par là. Oui, j'avais continué par là, je crois.
J'avais continué par là. Et il y avait l'aventure. Il y a l'aventure par là aussi. L'aventure par là aussi. Alors mes deux écrans viennent de flasher. Ça me fait le même délire quand je joue à... Et du coup je sais pas si je vois toujours le fonctionner le chat ou pas. Non, il va falloir que je regarde là. Heureusement que j'ai un chat en backup ici, mais... Petite mine de silex, ouais, je sais. Non, pas celle-ci, celle-là. On va pas mettre du synthwave alors qu'on est en train de jouer à... Par là, et j'avais réussi à grimper quelque part, ouais. Par hasard, je remets la musique, il y a de la musique. Voilà, on s'était dit, la petite tour là-bas, ah mince, on peut pas, il y a le truc. Donc du coup, après, j'ai réussi à monter là. Je sais plus comment j'ai fait. Attends, attends, glisse pas, glisse pas, glisse pas, glisse pas, glisse pas. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien. Voilà. Va au max par là. Impeccable. On y va. Ça va être juste là, je crois. Merci, merci. Voilà, elle est là. On y va, c'est l'aventure ou pas? On y est. Alors, bonjour. On va garder la grosse bague pour la fin, on va fouiller les merdouilles là. Ah. Ouh. En vrai, si c'est vide, j'habite là. Hein. Je vais pas me faire chier à construire quoi que ce soit, regarde. Tout est prêt déjà. Y'a quelqu'un ? Ouh. Y'a personne. Hein. Même pas un truc à lire, hein. Ça s'ouvre ça ou pas ? Oui, vide, d'accord. Ah ben si, alors c'était pas tout à fait vide. J'entends des loups à l'extérieur. Il y a un étage, doit bien y avoir un étage. Ah! Putain, m'a fait flipper! J'ai sursauté comme un nulos! Ah! Ah, c'est pas mal ce qui vient de m'arriver là. Mais il est où l'escalier pour l'étage alors? Bonne soirée Arcadio, merci beaucoup d'être passé. Et merci pour tes grandes contributions, c'est cool. Bonne app. Il y a forcément un étage. Ça, c'est un trou dans le plafond pour aller en haut ? Là-haut. Oh, là-bas, il y a un loup.
Bah non, faudrait que je passe par le toit. Viens ici, loup, parce que tu me saoules. Allez, ça dégage. Bon, clairement, il n'y a pas d'escalier. On va aller voir ce qui se passe dans la cave. Ah, elles font mal, hein. Ficelle et morceaux de bestiole. C'est pas mal, ça, un morceau de bestiole. Je récupère tout un tas de trucs dans le noir. Bon, ok, à part deux araignées, il n'y avait pas grand chose là en bas. Et moi, je veux aller à l'étage. J'aimerais y aller correctement avant de commencer à péter les murs pour me faire un petit escalier. Non, je crois en vrai, j'ai pas le choix. Ouais, je sais. Cheminée, ça sert à rien là, les gars. Sac à dos plein. Ah! Eh oui, dis donc! Merde! De quoi je peux me débarrasser? Ça? Ouais, ça, je peux en trouver plein. Action, jeter. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai récupéré un feu de camp. Un petit feu de camp pour cuisiner de la nourriture. Ouais, mais... s'en fiche un peu, en vrai. Dans tous les cas, moi, j'aimerais monter à l'étage. Là, il y a un trou dans le plafond. Bon, il n'y a strictement rien, c'est de la déco. Mais voilà. Je peux pas habiter là. Elle est cool cette petite maisonnette en vrai. Bon bah maintenant qu'on est là, hein, on va se balader. Bah, y a une tour pas loin là. C'est pas vraiment celle qui m'a demandé d'aller voir, mais écoute. J'ai pas récupéré des points de compétence. Si, j'ai 3 points de compétence. Attaque furtive. Attaque furtive. Ah. Ah. Non, mais je vais pas y arriver, ça, je vais me rater. Par contre, maître des bêtes, c'est quoi? Y a moyen de... mangeur de serpents. Œil de l'aigle, moins de confusion, le zoom de l'arc. Je ferais bien un délire à la flèche quand même. Un petit fléché, ça me parle. Ça me parle. On va faire un fléché. On va faire un fléché. J'ai un petit point à mettre quelque part. C'est un point ça? Résistance et dextérité. Donc on va continuer d'augmenter la... on va continuer d'augmenter la dextérité, écoute. Hop là, voilà. Du coup, faudrait que je me serve un peu plus de mon arc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc rien. Ah si, il y a des ruines quand même là-bas, on va aller voir. Mais ça descend à pic, je peux pas vraiment m'orienter pour remonter.
Bonjour. Y a des gens vivants dans le coin ou pas? Ah, pas l'air. Les fortifications là-bas. Ouh. Ça m'a l'air beaucoup trop calme. J'entends un truc. Ah bah oui, voilà, ils sont là. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles-là? Bonjour. Vous m'avez l'air hostile quand même. Potion de mana et potion de soin. Bon, j'ai plus de place pour la potion de mana, mais... À distance, toujours, hein. Voilà. Je t'ai raté quand t'as... Je t'ai tiré dessus quand t'as fait grrr. C'est fait. Qu'est-ce que c'était que ces bestioles? Ah, vous avez des grosses patounes! Regardez-moi ces patounes! Par contre, elle commence à lâcher de la résine. La résine, j'en ai pas vu souvent. Je récupérerai bien la... Mais j'ai ce t-shirt là! Mais vire ce t-shirt! C'est quoi d'autre, quoi? Morceau de bestiole, ouais. Je sais pas trop encore ça sert. Canal de guérison. Brindis, je peux faire des flèches avec. On va les garder. Petit épi de maïs grillé. Plus 2 de force. C'est quoi? On va manger un petit épice. Un petit épi de maïs. Et j'ai pas un autre truc de bouffe tout seul. C'est quoi ça? Tête monstrueuse de déchu. Son crâne est plein de champignons et de crasse. Il est quand même extrêmement lourd. L'expression amère, bah ouais, tu m'étonnes. Il y en a un autre en face. Jusqu'où je peux le cibler? Là. Non, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Là. Allez, viens ici. Pichou! Ça pique, ça, hein? Merci, bonsoir. Je t'ai vu d'un peu plus près. Ça, c'est un bazar de sauvetage, non? Point de sauvegarde? Je sais plus. Alors? Non, y'a rien. Petit campement en bas. C'est quoi? On va continuer là-bas. J'ai vu une grille, la porte. Les concepts de porte ouverte et fermée, ça s'ouvre ou pas? Crypte des anciens. Chasseresse. Ouvrir. Let's go. Oh, c'est des cryptes de Wemmer. Et nous revoilà dehors. Attends, sérieusement? Mais non, il n'y a rien, même dans ce sens-là, il y a ces choses-là. Qui ne m'indiquent rien. Je vais refaire des flèches. Artisanat. Flèche en bouée. Combien j'ai de flèches? 52. Ça va vite les flèches, hein? Est-ce que j'en ai vu un autre là-bas? Il y en a même un là-bas au sol. Oh, il fait de la magie l'autre qui est en haut. Vise-le lui! Ouais, t'as raison, fais des coups, fais des coups.
Putain, il leur faut 10 flèches quand même, il me faut 10 flèches pour les tuer. Hein. Et si je buvais un peu de flotte? Par contre, mon arc, l'endurance de l'arc, j'ai pas l'impression que ça descende. Ça, c'est une bonne chose. Lui, là-haut, là. Fallait te concentrer plus vite, mec. Hein. La magie, je comprends, mais... Bâton vaporeux. Je récupère un bâton vaporeux. Et je peux m'y téléporter un peu comme je veux à ces choses-là ou pas? Encore une fois, je suis pas sûr. Hein. Je suis au calme. On va voir. Ça dit quoi sur la map? Non, je peux pas m'y téléporter. Il faut vraiment que j'y aille. C'était celle-là d'ailleurs que je devais faire. Pas celle-là, c'est bien. C'est pas mal tout ça. Parce que là, je suis plein. Plein à craquer là. Je peux virer le petit feu de camp, remarque. Je peux virer le petit feu de camp. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et faire de la ficelle. Voilà. Et me débarrasser de ce petit bout qui reste. Ça me fait 2 emplacements déjà. J'ai pas envie de réfléchir plus. Si j'ai besoin, je réfléchirai plus. Mais là, pour l'instant... Il y en a un autre qui se balade là-bas. Ah, pas passer par là. Je trouve une entrée. Là, les escaliers centraux peut-être. Voir ce qui se trouve dans ces merdiers. Ça, c'est des pièges. Est-ce que je peux le fouiller? Attends, je voudrais le fouiller un peu d'abord. Je peux pas. Ok, ça passe. Ah ouais, mais là, les gars... Non! Ça va, la lave, elle est pas violente, putain, heureusement. Je voulais continuer de me balancer, ça m'a lâché, dis donc. Dans les... Ah si, ramasser, qu'est-ce que j'ai? Une pierre et un écusson de fourrure. J'ai donc plus de place dans mon emplacement, dans mon inventaire. Ok, ça s'ouvre de façon mystique, c'est bien. Réveiller le survivant? Bonjour! C'est stylé. 14 autres nouveaux trucs! Et je peux appeler un autre mec chez moi maintenant? Ça valait le coup de pousser un peu, hein? Par contre, il n'y a pas un petit... Ouais, je suis content, mais il n'y a pas un petit coffre quand même. Bien sûr que si, il y a un petit coffre, non?
Attendez une minute, où est-ce que je vais là? Les petits oiseaux, hein, c'est pas mal. Ouais, les oiseaux. Hein. Ça m'a juste emmené en haut. Pour quelle raison? Ils espèrent pas que je vais m'envoler d'ici. Le truc, il est complètement incertain quand tu voles. C'est un peu grand. Je suppose qu'il va falloir que je fasse une petite baraque aussi pour la chasseresse. Ok, bah on va se retéper chez moi. Parce que là, du coup, là, ça vaut le coup. Là, là, les loulous. Voyage rapide. Ah bah là, qu'est-ce qui se passe, Flamme? La chasseresse est vivante. Peut-être pourra-t-elle nous révéler un ou une ou deux choses sur la survie dans les terres sépulcrales. Je vais arriver à parler à un moment. Je garantis que je vais arriver à parler. Mec, regarde, attends, je vais chercher ma petite... Je crafte un coffre aussi. Je vais chercher ma petite baguette. Elle est où ma baguette? Attends, on va poser ça dans le coffre déjà. On va poser mon bout de viande aussi. Préparer la baguette. Merde, alors, je t'ai mis un capin. Coucou! T'as vu, je fais apparaître des gens avec ma baguette. Trouver le sel. Nous manquons de beaucoup de choses. Sans un approvisionnement régulier en sel, il sera difficile de conserver les fourrures. Je suis peut-être pas d'ici, mais je connais bien la région. Là. Je vais marquer un endroit où aller chercher du sel dans votre journal. Ne me décevez pas. Vous me parlez tous avec un ton hautain, là, j'aime pas trop ça. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Flèche en ferraille, ok. Support de séchage. Fourrure. Torche en résine. Torche en cire. Ensemble d'éclaireurs. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien un petit tapis, parce que voilà. Et... Salut Aninka! Bon appétit, je suppose, non? Ciao! Amuse-toi bien! De toute façon, je vais pas tarder non plus. Merci, bonne chasse à toi aussi. Attendez, je vais rentrer. Mais... Bon, je crois qu'il va falloir que je fasse un peu de farm. Mais faut que j'agrandisse là. Faudra que j'agrandisse un peu. Je ferai ça hors stream parce que c'est pas forcément marrant. Est-ce que j'ai de la place? Je vais reposer ma baguette. Hop. On va se pioter. Comment ça marche la sauvegarde? Signaler un bug. À faire retour au menu principal. Ouais, ça m'a rien demandé, j'ai l'impression que ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Si, madame! Ça vous a plu? C'était Enshrouded. En vrai, il est pas mal, hein? Il est pas mal, hein? L'aventure, elle est là. L'aventure, elle est là. Elle est là plus que dans Valheim, je trouve. Après, c'est normal. Le jeu... comme j'ai dit en début de game, le jeu, c'est... Enfin, la map
c'est pas... c'est une map qui a été construite à la main. Pour la plus grande majorité, je pense. Mais bref, c'est pas une map qui est générée soit aléatoirement, soit procéduralement. Du coup, bah voilà, il y a des lieux d'intérêt, ton regard est toujours attiré vers quelque chose, etc., etc. Chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans les autres, je trouve. Mais c'est normal. Après, effectivement, Valheim, ou même Minecraft, pareil, tout bêtement, il y aura la notion de replayabilité, ce qu'on appelle la notion de rejouer. Là, je ne sais pas comment ça se passera une fois que... Bah, en même temps, il a l'air velu, le jeu. Hein. Mais bref, on va continuer notre petite aventure, on verra bien comment ça se passe. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, parce que j'ai faim. Déjà, ça c'est important, voilà, c'est important de le dire, j'ai la dalle. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et je vous dis à plus tard. On va voir si le générique de fin marche. Allez, à plus. Ciao. Et le générique ne marche pas. C'est génial. Il faudra que je règle ce souci.